Eh bien, le bonjour à vous tous, bienvenue sur la chaîne Tony RC, j'espère que vous allez bien. Je vais remettre le micro là. Salut McFly, salut Rémi Modélisme, salut Laloutre, Blotz, RC, Chop. Le nom il s'est rallongé, monsieur Laloutre. Nico Duff. Et j'ai de l'écho. Ah bah oui, c'est mon ami Tamia qui est sur Apple. Bonjour Tony. Salut Tamimi, comment il va? Ouais, j'étais en live. Bonsoir tout le monde. Oui, je suis en live avec des gros yeux fatigués. Bah alors quoi? Alors salut, quoi Tony. Salut Fabien Gagliotta. Bah quoi? Bah la journée. Bah la journée elle était merdique, on n'a pas roulé. Non. Non, pas du tout. Non. Donc j'ai croisé mon confrère, monsieur RC Mumuse. En vrai. Ouais. Pour la première fois. Non, on n'a pas roulé. Il faisait trop moche. De la pluie tout le temps. Ah bah mince alors. Vous avez bu un café au moins? Ah bah si on en avait bu qu'un. Des cafés. J'en ai vu. Ah non, mais c'était agréable de pour mon retour comme ça sur une compétition. On n'a pas roulé, mais du coup, moi, j'ai recroisé des gens que j'avais pas vus depuis 10 ans, quoi. Ouais. Ah bah d'un côté, il y a. Puis il y avait du beau monde. Il y avait beaucoup de gens qui venaient de Paris. Ouais, c'est ça. J'ai vu parce que ton confrère Mumuse a fait une petite vidéo ce matin. Oui. D'ailleurs, j'apparais dedans. Oui. Alors voilà. Bah voilà quoi. Bonsoir la loutre. Alors Et bonsoir tout le monde. Bonsoir Tony. Salut Tamia. Salut Modélisme 59. Bah Tony regarde pas mes vidéos parce qu'on avait le grand beau aujourd'hui. Non mais j'ai vu ta vidéo de du Chronos, j'ai regardé. Ah t'as vu déjà? T'as eu le temps? Non, je ne l'ai pas reçu Stéphane. Non. Je ne l'ai pas reçu. Tu l'as envoyé quand? Alors Rémi, j'ai envoyé un petit message pour toi, hein, comme je t'avais dit. Ouais, j'ai vu comme. Non, par rapport à Monsieur Wartel. Ah, Wartel. Ah, d'accord, ok. Ok, merci. Salut Armakit nous dit truc. Bon, eh bien, j'ai changé un petit peu mes supports de caméra. Donc la vue est un petit peu. Elle a un petit peu changé. Et j'ai mon micro à côté de moi. Et c'est mieux pour parler dans ce que je suis à ce poste-là. Par contre, j'avais oublié que j'allais aussi à l'aérographe. Et du coup, mon micro, il se retrouve plus loin quand je suis à l'aérographe. Alors, on va passer sur le plan aéro. Et je vais aller peindre. Mercredi, ok. Mercredi. Si tu l'as posté mercredi, peut-être que le gars, il a pris que le jeudi. Donc, c'est peut-être normal que je ne l'ai pas eu. Salut Nougat 29. Alors, monsieur Rémi, il monte son Apsima. Hop. Et nous allons changer la caméra de place. Et c'est parti. Et on pense au petit pouce, il n'y a que 2 pouces, les gars. Allez, c'est parti. On va peindre. J'ai dit alors, ça se monte, l'Apsima? Ah, bah ça y est, elle est finie. Ah, déjà? Ouais, bah en 4h30 exactement, je l'ai monté. J'ai enregistré toutes les vidéos, elles sont finies. Il me reste une à finir de mettre sur YouTube. Et j'ai eu quelques difficultés. Hein. Ah bon? Ouais, déjà, rien que la notice, elle est vraiment complexe à détailler. C'est vraiment pas évident. Bon, le montage, ça va aussi bien passer sinon. J'ai problème au niveau des cardans arrière. Les cardans arrière, ils butent sur le différentiel.
qui fait que le châssis touche pas le sol. Ça, c'est dommage. Tu vas trouver la solution? Ouais, je vais essayer de trouver des cardans plus courts. Bon, ils sont des cardans plus courts de quelques millimètres. Mais après, c'est pas normal, la voiture elle est neuve. T'es sûr que t'as pas mal monté des... Tu nous feras des photos? Oh! Yo, non, Mister RC Mumuz! Qui doit être à l'hôtel. Monsieur Mumuz qui doit être à son hôtel dans son lit, j'en suis sûr. Alors. Non mais je remets la cam. Bonsoir, portrait. Monsieur Mumuz. Hop. Monsieur Mumuz. Ça m'a fait très plaisir de croiser mon confrère youtubeur RC de chez RC Mumuz en vrai. In real life. À Neulémines aujourd'hui. Donc on avait une compétition, une course. C'était, ça aurait dû être mon retour sur une compétition de TT1 8ème. Ça faisait 10 ans que j'en avais pas fait. Et malheureusement, la météo ne nous a pas laissé faire cette compétition. On a attendu que ça ne pleuve plus. Et ça a toujours plu. Puis du coup, à midi, bah, ils ont dû annuler la course. Non, c'est la galère. Il y avait plein de monde, ouais, j'ai vu. Alors, il y avait du beau monde, c'est dommage. Ouais, Monsieur Mumus nous a fait une petite présentation ce matin. Là, merci à lui. Mais dommage pour le temps, ouais. Hop, hop, hop. Et Monsieur Mumus, il est aussi agréable en vrai que dans ses vidéos et dans ses lives. Il est très très beau. Il n'est pas comme toi, alors. Ah non, 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 moi je suis différent, je suis un gros con en vrai. Voilà. Historique, je cherche à afficher ma chaîne. Voilà. Hop. Hey Tony, t'as vu, je t'ai fait un petit clin d'œil sur la carrosserie de mon Chronos. Non, j'ai pas vu. Mais il y a des moments où t'entends pas bien dans ta vidéo. Il y a. T'entends pas bien parce qu'il y a du vent, il y a la tondeuse, il y a la musique. Ouais. Il faudrait voir si tu sais gérer le canal de la voix un peu plus fort quand tu mets de la musique. Bonsoir, ouais, monsieur Jill Tanga. Tanga. Bah, j'ai pas beaucoup parlé. Allez, hop. J'ai modifié un petit peu. J'avais déjà modifié les canaux de banquier. Hein. Mais je n'ai pas mis assez fort. Voilà. C'est pas grave. On apprend. On est en forgeant quand on est en forgeant. Enfin, voilà. Alors, on va se mettre en place. Sur la zone. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. Bienvenue Snacky. Snacky est nouveau sur la chaîne. Alors abonne-toi Snacky. À mon avis, on dit plutôt Snakey. Ça doit être plus joli de dire Snakey. Comme un serpent, je pense. Plutôt alors, que comme un snack. Snakey alors. Ouais, parce que Snacky, je suis pas sûr qu'il apprécie. Hein. Allez, je vais faire du mort à la tonique. Snacky. Ah, elle m'énerve cette caméra, mais elle m'énerve. Snacky. Snacky, ça fait un peu knacky, quoi. Knacky ball. Ah oui, Snacky comme le serpent, il dit, ouais. Parce qu'on va l'appeler Snacky ball. Voilà, c'est parti. Ouais. Hop, hop. Alors, Snacky. Faut que je mette plus fort. Au deuxième degré, hein. Ah, moi j'ai de l'humour, pas terrible. Salut Pascal RC68, Manu Bafou, Manu 974. Tiens, il y en a deux des Manu. T'as fait une bonne chaîne, Snacky, mais pas pour l'humour. On n'est pas encore très au point. Donc, il y en a qui n'aiment pas mon humour. Il y en a, ils arrivent, je fais une blague. Puis ils disent humour de merde ici, je me désabonne direct. Ben sinon, il y a aussi le contraire à monsieur Tony RC, qui est la chaîne RC Mumuz, pour ceux qui ne connaissent pas. Vous pouvez aller voir, une très très bonne chaîne. Ne parlez pas de la pub, Tony. Hein, ouais, mais faut quand même dire qu'elle est quand même beaucoup moins bien que la mienne. Hein. Ça, c'est important. Bon, ça y est. Tu vas t'attirer des embrouilles, là. Je dis ça parce que Monsieur Mumuz est connecté et qu'il se repose et que j'apprécie sa chaîne. C'est une excellente chaîne. Je dis ce que je pense. C'est une très bonne chaîne aussi. Oh, il y a plein de choses écrites là-dessus. C'est quoi un pick-up, t'as dit?
Ouais, en fait, j'ai deux carrosseries à peindre. Ouh, vous avez failli me voir à poil. Je suis en train d'enlever mon pull, il y avait mon t-shirt qui s'enlève. Alors. Alors. Pardon. Ah, Rémi, t'as fait ton montage alors? Ah, mais c'est pour ça que j'arrive pas, j'ai pas mis le wifi. Je n'y arrivais pas. Ok. Ça va venir, ça va venir. T'as pas de chatter? Alors, ce mec qui est à l'humour, ça va, tu peux y aller, tu peux te lâcher. Donc ici c'est facile, c'est une déco pour quelqu'un qui fait du crawler. Et donc c'est une déco qu'on appelle un peu scale. Aucun motif, aucun effet, c'est que du noir. Donc la ligne noire, en noir charbon. Et puis après en turquoise. Donc la carrosserie va être assez facile à faire. Et ici c'est du noir. Bref, c'est beaucoup beaucoup de noir sur celle-ci. Sinon, je suis en train de continuer le proto ici de monsieur Eric Unstanstein. Alors, donc là, c'est un design qui m'a demandé. Donc des flammes, des espèces de flammes, je sais pas dire, hein, des pointes rouges. Et puis derrière ici, dans la zone rose actuellement, ça va être du jaune. Mais il veut pas un jaune fluo. Alors je vais lui mettre un jaune iridescent. Salut Bri Paillette. Bri Paillette de la Réunion. De la Réunion. Ça doit être le frère de Manu Paillette qui joue au foot à Marseille, à mon avis. Salut Cédric Dobby. Il n'y a pas un acteur qui s'appelle Manu Paillette? Si, il y a l'acteur Manu Paillette. Et il y a le joueur de foot Dimitri Paillette. Ou Paillette, je ne sais pas comment on dit. Hey Cédric, c'est avec Cédric que j'ai fait la route. C'était Cédric, mon chauffeur, aujourd'hui. Ah. Alors, on va pas faire le jaune tout de suite. De quoi? J'étais levé à l'heure. Ouais, j'avais mis deux téléphones. Deux téléphones pour être sûr de me réveiller, tu vois. Ah bah, je suis quand même assez dégoûté pour vous, quoi. Ouais, c'est triste. Ça avait l'air une super ambiance, bien du monde. Hé hey Cédric, regarde un coup Cédric Dobby. Alors ça c'est qu'une partie de ce que j'ai récupéré. T'as récupéré ça où? Au club. Donc en fait, ils sont où? C'était dans le petit coin belle. En fait, comme il n'y a pas les pneus dispo dans les gommes qu'on veut en ce moment chez Sismic, je les ai achetés en gomme seule. Et du coup, là, bah, je les récupère dans les poubelles au club, parce que les gens, ils les jettent comme ça. Je les découpe, je les mets trempés dans l'acétone pendant 2 jours, et je décolle. Voilà, donc là, il me reste plus qu'un petit peu à ébavurer, par exemple, ici. Une fois que j'aurai bavuré, enlevé complètement le caoutchouc, je vais passer un tout petit coup de Dremel pour enlever les restes de cyano sèche. Voilà. Ouais, j'en avais récupéré une bonne dizaine, moi, là-bas, à Nelimine, dans les tonneaux. Tout à fait, voilà. Donc, l'avantage, c'est que c'est les nouvelles jantes, en plus. Et les nouveaux inserts. Voilà, enfin les inserts récents. Hein. Donc on est sur les bons. Ça va bien dans les. Ça correspond bien. Moi j'ai acheté les pneus juste à coller. Donc en fait, là j'ai. Une fois que j'ai décollé, je passe les jantes à l'eau et à la brosse pour les laver un peu parce qu'il y en a qui sont comme celle-ci. Ben, quand on les récupère, elles sont pleines de terre. Voilà. Et donc, ben, au lieu d'acheter 18 euros. La paire montée collée, et ben ça nous descend à moins de 12 euros le pneu seul. Et puis voilà, ben moi j'ai juste fait tremper, décoller.
C'est juste un petit peu de travail, mais c'est pas la mer à boire. Franchement. Voilà. Salut Malco. Puis en plus, course remis ou pas, moi j'en sais rien, Cédric. Tu sais, depuis que tu m'as déposé chez moi, je me suis reposé un peu, j'ai profité ici. J'ai décroché un peu des réseaux sociaux. Parce que j'ai. Quand je suis fatigué, moi, j'ai mal aux yeux. Alors ici, j'ai dessiné un drapeau. Ouais. Donc pour l'instant, j'ai fait que le noir. Et en plus, j'ai fait des effets de lumière dedans. Et donc là, on va faire toute la zone qui est autour du drapeau. Alien. Oh là là. Bonjour, une question. La peinture acrylique tient sur le Lexan car au prix des bombes, car au prix les bombes Tamiya. Il manque un mot dans ta phrase peut-être. Oui, ceci est de la peinture. Ceci est de la peinture acrylique spécifique pour Lexan. Voilà. Coucou Manu Jacquemin qui est notre grand vainqueur de l'aérographe et du compresseur. Donc, je vais faire un petit halo léger de lumière autour de ce drapeau. Je vais le faire en gris. Et je vais mettre des gants. Mamba. RC Mode Racing. Ça va rouler le groupe RC Mode aujourd'hui dans la Gado ou pas? Salut Quentin. Salut RC Mode, c'est vrai. Salut Céline. Non, c'est pas Céline. Célibrine Brock, CNR. Félicitations Manu. Quand je dis acrylique, c'est les bombes que l'on peut avoir à Gédimat ou autre. Ok. Oui et non. Ça tiendra. Mais dès que tu prendras des chocs, ça risque de pas bien tenir. Donc si jamais tu veux que ça tienne, tu peux toujours tenter. Mais il faut bien rayer ta carrosserie avec une éponge tampon Gex. Un peu comme ceci. De ce côté-là. Sauf les vitres, bien entendu. Tu rayes et tu peux tenter. Il y a des gens qui le font et qui s'en plaignent pas, ils disent que ça marche. Maintenant, si tu fais beaucoup de sauts, beaucoup de chocs ou que tu pilotes mal et que tu te retournes beaucoup et que tu tapes beaucoup, il se peut que ta peinture elle s'en aille. Voilà. Maintenant, tu peux tenter. Si c'est une vieille carreau, tu fais le test et puis après tu la maltraites exprès. Voilà, je suis de retour. Alors, est-ce que je mets du blanc? Je vais mettre du blanc ou du gris clair? Alors, je vais faire un léger voile de blanc autour du drapeau. Alors, oui, il y a d'autres marques beaucoup, enfin, pas peut-être pas beaucoup moins chères, mais moins chères. Non, je t'ai dit, je t'ai fait un clin d'œil sur mon chronos parce que je t'ai mis un autocollant de ta chaîne. Ah, je l'ai pas vu, fais gaffe. En même temps, j'ai regardé sur mon téléphone quand je me suis. Sur ton téléphone, tu vois pas sur ton téléphone. Quand je me suis réveillé de ma sieste. J'ai fait une sieste après être revenu, j'étais explosé. Il faut avoir un écran de 70 pouces. Ouais, non, mais mon téléphone, ouais, ça faisait petit, quoi. Non, parce que j'arrive. Eh ben, merci à toi pour le sticker Stony RC. Bah, écoute. J'ai pas tous les nouveaux, tu vois.
sur la X-Ray qu'on n'avait pas, le stade encore ancien. Et puis d'ici 2 semaines, il y aura peut-être des vidéos sur le circuit. Là. Avec. On verra si tout va bien. Bon, j'espère qu'on va pas entendre, je mets en route la ventilation. Alors, italienne, c'est pour une américaine prise, donc pas trop de son. Et comment est monsieur là l'autre? Ça fait plaisir. Oh. Ça fait plaisir de te revoir, monsieur Laloutre. Mais depuis le temps. Il faisait la grève. Ou la gueule. Ah ben, la nôtre, et l'autre, ça hiberne, puis après, ben, il fait beau, ben, ça absorbe. Trop classe tes stickers. Pourquoi Manu, t'as déjà tout reçu? T'as déjà reçu Manu? Étonné, tu vas. Enfin, t'as des projets. Le dragster, monsieur Toulouse, tu vas continuer quand, tu sais? Ouais, bah, je laissais passer cette semaine parce que avec la préparation de la course, j'avais 10 000 choses à faire. Ouais, non. Et en fait, comme ma voiture, elle était neuve, elle n'était pas parfaite, et, j'avais d'autres choses à penser. Puis à chaque fois que j'ai fait le dragster, à chaque fois, il n'était pas là, David. Ouais, salut Manu. Ouais, bonsoir tout le monde. Bonsoir Tony, bonsoir Chad, bonsoir Discord, Rémi, Tamia. Ça va? C'est qui? C'est Manu. Tu descends Manu? J'attendais. Salut Manu, à notre grand vainqueur du jeu concours des 3000 abonnés. Bravo. Alors t'as déjà tout reçu? Ah, affirmatif, ouais, j'ai reçu ça hier. Ah, alors t'es content? Ouais, c'est super. T'as déjà fait joujou? T'as commencé à faire joujou? Ouais, je l'ai essayé, mais bon, j'ai pas encore mis de peinture dedans. T'as mis de l'eau? Ouais, j'ai vu que t'avais eu un aérographe là l'autre. T'as pas essayé, je dois trouver un adaptateur. Ah ouais, ouais, bah moi j'ai dû en fabriquer un. Avec mon père, on a fait de la soudure. On en a pas trouvé. Après, regarde sur Amazon, ils en vendent pas mal. Sinon, sur le site Aérographe Discount, ils ont des adaptateurs. Sinon, avec mon père, on a pris deux raccords. On les a coupés en deux. Et on a soudé avec un gros poste à souder. Monsieur Laloutre, à l'occasion, c'est pas pressé, il m'en reste encore un, mais je te reprendrai bien quelques gros rouleaux de scotch, le scotch spécial carrosserie, mais le rouleau complet, pas la version reconditionnée. C'est quoi la version professionnelle? La version en petite longueur, moi j'ai besoin de beaucoup de quantité. La marque Core RC que tu avais obtenu chez Schum. J'en étais très très satisfait de ce collant là. Le problème c'est que j'en consomme beaucoup moi. Voilà, il y a des carreaux, j'en mets plus d'un mètre.
les carreaux de GT8. Salut Jean-Luc Rochard. Voilà. Les copines. Ben, salut la copine. Ah oui, la loutre, ben, aéro offert par un Ch'timidlos, ça doit être celui qui peint des carreaux à l'os, là. Je connais pas en vrai. Mais j'en entends parler, j'ai déjà vu qu'il fait du très très beau travail en peinture. Alors, pour monsieur Eric, nous allons faire un fond, un petit fond, un peu comme un carbone avec de la toile autocollante. Donc Tony, t'as pas fait de décro du coup? Ah bah non. Ah bah non. Alors, ça c'est sûr même. Et le temps s'est calmé ou bien c'est toujours infernal? Bah nous on est parti, il devait être 13h et il pleuvait tout le temps fort. Wow. Donc pas de bol quoi. Ouais. Il y a quelque chose demain là-bas, Tony, ou bien ouais. Aujourd'hui c'était la course brushless et demain c'est ouais. Les nitros et demain il fait beau. Mais ils peuvent pas combiner les deux ou bien faire un petit peu quelque chose, non? Bah écoute, ça a été fait comme ça et je suis dégoûté parce que ouais, demain mais... il fait beau et nous les brushless on se fait en gros on n'a pas notre course et voilà. Mais ils n'ont pas. C'était impossible de combiner les deux demain. Si, c'était bah, possible, mais il y a des gens, ils auraient été dégoûtés parce que, comme moi, tu prends demain, j'ai rendez-vous en fin de matinée pour faire mon vaccin, tu vois. Ah oui, dans ce sens-là. Non, mais puis tous ceux qui sont venus de Paris, ou je sais pas, moi, je ne me rends pas compte. Bah, en fait, tous ceux qui sont venus de Paris, ils sont là pour les deux jours parce qu'ils font aussi du nitro pour la plupart. Bon, ben déjà ça, mais bon. Ouais. Enfin bref. Bah, tu vois, on avait toujours les grillades d'or pour le dîner. Hein. Enfin, bah tant mieux, vous avez de la chance. Ça souffle, mais c'est tout, quoi. Ouais. C'est toujours comme ça, quand tu organises quelque chose, voilà. J'espère que l'été soit moins pourri que le printemps. Quoi. Oh oui. Alors. C'est un grillage. Ah ok. Là, mais... Ce n'est pas qui. Ouais, c'est ça, c'est du revêtement pour mettre sur les vitres de voiture pour calmer le soleil. Ouais, Steph Anne. C'est perforé? Ouais, celui-là, ouais. Là, le premier que j'avais acheté, il n'était pas perforé. Stéphane, en règle générale, ça te prend combien de temps la réalisation d'une carrosserie? En règle générale, il n'y a pas de règle, Stéphane. Le mot règle ne s'applique pas à la carreau. Tu peux avoir une carreau où tu mets une couleur et tu vas aller très vite. Et tu peux avoir des carreaux où tu vas passer plus de temps. Beaucoup plus de temps pour certaines. Il y a une carreau, j'avais passé 3 jours. Enfin, c'est pas 3 journées complètes, hein, mais c'est 3 soirées. Tony, si tu as un sticker Tony RC en noir et blanc,
Eric, je t'en donnerai des stickers. Waouh, ça fait mal. Ça fait mal aux oreilles. Ah là là. T'as mis un. Rémi. Oui. Déplace-le. Oh, t'entends. Ouais, pardon. Alors, on va prendre du gris acier. Donc, il n'y a pas de règle. Il y a des cas rouges, mais moins de temps. Des cas rouges, je peux passer. Suivant le nombre de couleurs et le design, je peux passer 10 heures, tu vois. Donc, c'est pas très. C'est pas rentable. Hein. Voilà. Tony ? Oui. Sur le chrono, t'allais dû resserrer un peu sur le cerveau ou pas ? Oui. D'accord, merci. Il est desserré encore, là. Donc il faut le resserrer du cuisine, il faut le resserrer un peu, j'imagine. Ben ouais, il est desserré. Ouais, d'accord. Ouais. Ben, merci la loutre, quoi. Merci beaucoup, monsieur la loutre. Merci à toi pour le don à la chaîne. Bon. Excusez-moi. Pensez à. Hop. N'hésitez pas à consulter monsieur Laloutre, il n'a toujours pas de site internet, mais il vend du matériel. Donc n'hésitez pas à lui demander des tarifs. J'aimerais beaucoup qu'il ait un site internet, mais il veut pas. Serge, il vous a fait quelques agréabilités à manger. Merci. Ouais, Seb, il était. Seb... Salut Seb RC. C'était... Il était là ce matin, il était dans l'organisation du club ce matin. Ouais, je l'avais dit hier, mais je ne savais pas si vous aviez une collation. C'est sûr, il y avait toute une. La friterie du club était ouverte, on a eu des frites. Il faisait des hot dogs. Bon, moi je peux pas manger de pain, donc je mange des frites et puis saucisses, quoi. Ouais, bah, c'est cool. J'ai vu qu'il y avait, pas mal, il y avait une bonne équipe, hein, il y avait une équipe de neuf, ben j'ai vu. Et c'était un store de quoi, de pièces RC? Ouais, c'est un magasin qui s'appelle RC Hot Picardie. Avec d'ailleurs, donc ils sont pas partenaires, mais j'aimerais bien, je vais les contacter, parce que je trouve que... Ils ont des bons prix sur les certaines pièces et sur des pneus, surtout sur les pneus. Et du coup, je pense que ça vaudrait le coup que je les ai comme partenaire de la chaîne pour orienter mes viewers aussi. Ah bah, ils sont passés au club du LMO la semaine dernière. D'accord. Ouais. Bah, je suis pas dans mes toilettes, c'est-à-dire c'est pourquoi on m'entend comme ça, moi. Non, ça va. Je sais pas sur YouTube, vous nous entendez bien, parce que des fois ça arrive à une TVRC. Peut-être mon iPhone, il est fatigué. Il a filmé cet après-midi. Ça doit être ça. C'est le problème de l'iPhone. Oh, mais il chauffe terrible quand il filme ses téléphones. Les caméras aussi. J'ai vu la DJ, elle chauffe comme je ne sais pas. La Action ? Bon, 4K, ouais, en 1080, ça va. En fait, quand tu montes les résolutions des caméras, elles chauffent plus. Oui, oui, j'ai remarqué, mais bon, d'habitude, je fais en 1080, puis voilà. Enfin, je me trompe. Bon, toi, j'ai des HD cartes de 128 Go, donc ça va. Ça bouge pas mal. Quand même. La VMC ?
T'entends ça? Vous entendez ma VMC? Non, moi j'entends rien. Ouais, ouais, ton inspiration fait. On l'entend vachement sur Facebook. Sur Facebook? Sur Facebook. C'est sur Facebook, ma vie, toi. Sur YouTube? Alors attendez, je vais baisser un peu mon micro. Il y a une différence, Tony, avec cette VMC, là, la nouvelle? Ouais. Ça va mieux. Merci Emmanuel pour le retour. J'espère que vous allez encore m'entendre correctement. Alors, pour l'idée du drapeau, merci énormément Eric. Donc oui, je rappelle, c'est la carrosserie de monsieur Eric H qui vient de nous faire un méga don à la chaîne. Merci à toi Eric, merci beaucoup. Ah, merci Eric. Merci Eric. Alors, et Tony, oui. Tony, t'as le droit à ta matinée de star ou bien ça va? Non, je suis pas une star, hein. Je suis pas une star, moi. Ah, mais il y a quand même. Il y a des gens. Tout le monde te connaissait, quand même. Pas tout le monde, mais oui, il y a du monde qui me connaît. Moi, j'aime bien, il y a un petit garçon. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a un petit garçon qui est venu me voir. Alors, ouais. J'ai pas retenu son prénom parce que ça a été trop vite. Mais il me dit, il vient me voir, il me fait « Bonjour monsieur, je regarde vos vidéos, j'adore. » Alors du coup, je lui dis « Bah attends, viens là toi, je vais te donner un autocollant. » Il était tout content. C'est chouette. Ouais. C'est sympa. Bah c'est des petits moments comme ça que j'apprécie dans la vie, tu vois. Tu fais plaisir à un gamin, il a un autocollant, il est heureux comme tout. Bah tu vois, nous on est aussi heureux que les autocollants, même sur les dents. Ouais, mais vous êtes des grands gamins. C'est ça, oui. Bon, Sébastien, t'arrêtes avec tes pains au chocolat, tes croissants et tout. Là. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'est pas là, Sébastien Fossé? Non, mais il n'y a pas que Sébastien Fossé, il y a Monsieur Seb du RC59. Stéphane Klein, je ne peux plus dire les tarifs en live parce que il y a des gros cons et un prix ne correspond jamais à tout le monde. Et je me suis déjà fait insulter dès que j'avais donné un tarif, qu'il soit bas. Même si je dis 10 euros, 5 euros, je vais me faire insulter. Donc il y a toujours des prix qui ne conviennent jamais. Si tu veux connaître les tarifs, tu m'envoies un email. Tu as mon email en description de la vidéo. Tu me demandes les tarifs. Et en fait, il y a tout un tableau en fonction des échelles et des quantités de couleurs. Ouais. Donc je vais mettre du noir, donc je remets mon masque. C'est parti. Tony, tu nous entends encore? Là? Tony, t'as toujours tes. Depuis l'autre soir du live, t'as toujours tes logos qui défilent hein, sur l'écran. Ah ouais? Il faudrait que j'arrête ça, ouais. Ah, bah, c'est... C'est pas spécialement gênant, je dois dire. Quand même. Enfin, moi, j'avais fait exprès. Alors, il y a Black qui dit que ça fait à peu près une carrosserie le prix de 30 chocolatines. C'est à peu près ça. Par contre, je suis pas d'accord, on dit pas chocolatine, on dit petit pain au chocolat. Ouais, il y a Manu Jacquemin qui rectifie. Hein. Et Black est du sud-ouest, si je m'abuse. Je crois que suivant les régions de France, vous dites pas la même chose. Tout à fait. C'est un peu comme les Suisses qui disent 90. Les Belges aussi disent 90, les Québécois aussi. Tout à fait. Tu peux aussi m'envoyer un message privé sur Facebook, ça marche aussi, hein, Stéphane. Ah bah tu vois, il y a Stéphane qui était sur Discord puis qui a été conseillé par plein de monde puis il est très content. C'est vrai?
Bah, il te remercie. Apparemment, il t'a envoyé un MP une fois, puis il t'a dit d'aller sur Discord. Et la suite, ton conseil, il y avait Accro, apparemment, Rasseur qui lui a. Ouais, en fait, voilà. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages, il faut le savoir. J'ai vraiment trop de messages de gens qui veulent des renseignements. Alors, je me souviens plus exactement de toi, Stéphane, en MP, mais j'en ai trop des messages. Et c'est des messages où, où il faudrait que j'accorde beaucoup de temps à la personne pour répondre à toutes ces questions de, pour débuter. Et je peux pas. Je peux pas, j'ai déjà pas assez de temps pour moi. Donc, je préfère que les gens viennent dans le Discord, que ce soit hors live ou en live. S'il y a du monde, et bah, tant mieux pour vous. Sinon, bah, il y a du monde en live. Et de toute façon, souvent les gens ils pensent que leurs questions elles intéressent pas les autres. Alors qu'en fait, vous vous trompez. Quelqu'un qui veut acheter une voiture, ça intéresse que ce soit une voiture à 100 euros ou une voiture à 1000 euros. Ça intéressera toujours des auditeurs. Voilà, on est ouvert à tout véhicule, hein. Il n'y a pas de préférence. Que ce soit un véhicule TT, buggy ou un véhicule de bâche, quoi. Hein ? Que ce soit un véhicule de bâche ou autre. En plus, comme voilà. On est plusieurs sur le Discord, et même les gens qui écoutent et qui sont dans le chat, si elles se trouvent la question, eux, moi, je ne saurais peut-être pas y répondre, Tamia non plus, Rémi non plus, et puis peut-être que dans le chat, il y a quelqu'un, ça arrive, voilà. Il y en a qui répondent à notre place, et c'est ça qui est génial. C'est une communauté. Exactement. Et puis, vous pouvez venir avec n'importe quelle marque. Hein. On ne va pas juger que vous ayez voilà, Obahawk, Arma, non. Coralie. Voilà, c'est tout le monde. En tout cas, pas sur ma chaîne. Sur ma chaîne, on a le droit de parler de Funtech ou d'Obitech, notamment. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Il n'y a aucun souci. Toutes marques sont bonnes à prendre et à conseiller. Il n'y en a pas une. Voilà, chacun ses pour, chacun ses comptes, puis ça dépend de chacun de ses budgets, voilà, on peut pas tous avoir les mêmes budgets. Il n'y a pas de honte, voilà. Ouais, je crois italienne, je crois que le 25% est interdit. Enfin, je ne sais pas ce que c'est de la France, moi. Là. Ouais. Salut Nachetto. Ah mais non, je vais faire du noir. Tony, quoi? Je suis désespéré avec Stéphane 276. Bon, je vois pas le chat. Oui, c'est là. Alors, je vais essayer de répondre. Je viens de voir la question de Marc M. Salut tout le monde, salut Tony. Toi qui as roulé au LMA, tu conseilles quoi comme pneu? Alors, le truc, c'est que comme vous le savez, quand je suis allé rouler au LMA, c'était pour un test d'une voiture et j'avais pas fait de TT depuis 10 ans. Donc, je suis pas un expert actuellement en pneus, mais je suis en train de me rééquiper doucement. Donc, moi je peux te conseiller si tu vas dans la gamme par exemple Sismic, tu pourrais prendre du Sismic en gomme dans le tableau à gauche, le Sismic, le Bandi en gomme, ça dépend des températures, 15-25 s'il fait beau, ou en ce moment plutôt de la 0-18 ou de la 9-22. Voilà, la 9-22 c'est une nouvelle gomme intermédiaire. Bandi chez Sismic, voilà. CBRC nous confirme. En tout cas, le CBRC, c'était avec du Bandi qu'on avait roulé. En tout cas, ça marchait extrêmement bien. J'ai vraiment apprécié le pilotage de la voiture. Elle me paraissait très très agréable. Elle motrissait très bien. Elle était facile. Franchement, elle était facile comme tout. Alors, je cherche du noir charbon. Alors, c'est du Pearl Charcoal. Et donc ça, je vais l'appliquer non plus dans la carrosserie d'Eric. Là, je vais passer sur cette carrosserie. Puisque tant que mon aérographe était sur du noir, eh ben, j'en fais profiter une autre carrosserie. Alors bien entendu, ce soir, il n'y aura pas de live. Parce que
Qui va deviner pourquoi je ferai pas de live ce soir? On a du foot. Voilà, c'est la dernière journée du championnat. C'est la désignation du champion de France de Ligue 1 en foot. Exactement. On va savoir si le LOSC va pouvoir être qualifié. Et voilà. Et donc le LOSC ce soir, c'est une soirée où ils jouent tout ce soir. Ils peuvent gagner le championnat ou ils peuvent ne pas le gagner. Donc c'est une soirée où il faut absolument qu'ils gagnent leur match. Si ils gagnent, tu peux faire un live champagne avec le t-shirt du LOSC. Si ils gagnent, il est fort probable que je fasse un petit live juste après. Mais oui, ça peut être rigolo. Avec t-shirt du LOSC et goodies et tout ça. J'en ai pas. T-shirt du LOSC. J'ai pas le t-shirt du LOSC. Pom-pom girl. Belle live, car je suis pas sur le sport et ça fait. Mais, Stéphane, le code à ce chiffre, c'est la double authentification, si jamais. Il faut installer le logiciel, ça s'appelle Authentificator. Et puis après, il te demande chaque fois, il te donne un nouveau code à chaque connexion Discord. C'est nul. Ben, c'est la double authentification pour faire fonctionner ton rôle de modérateur, sinon ça va pas. Tu peux pas modérer. Oh. It Alien, salut à toi, le terrain à Venn est pas mal. Ce soir, c'est l'Eurovision Tony. Ah, mais oui, mais je confonds, on est samedi. Mais non, c'est demain ouais. Alors, c'est dimanche soir que je ferai pas de live. Ok, d'accord. Ah ok, bon après. Et là, Tony dit, oh bon, bah tu t'es trompé de soir, Tony. Mais oui, parce qu'avant. Parce que normalement, les compétitions de Modem, c'est le dimanche. Donc là, c'était exceptionnel. Salut Badja. Salut Stéphane. Bon, et sans être désagréable, j'ai fait mon Romano test. C'est-à-dire J'ai mis une photo sur Discord, tu vois. J'ai fait la même chose que Romano, il a fait sur un de ses châssis. Rémi, j'ai rien compris. Et je dis, j'ai fait la même chose que Romano, il a fait sur un de ses châssis. Mais je sais pas ce que... Il en a fait tellement de vidéos, je peux pas... Bah, c'est sur Discord. Hein. Merci Balja pour mes vidéos, c'est gentil. En gros, j'ai mis un film autocollant sur le châssis. Ah, pour protéger. Bah, pour là, il y en a pas mal qui le font là. Protéger sans protéger, hein. C'est pas vraiment un film de protection. Hein. C'est juste pour donner un style. Non, moi je suis maniaque et puis je mets même pas ça dessous, ça fait le pire. Eh, vous avez vu, j'ai fait deux vidéos où j'ai roulé aujourd'hui, les gars. Hein. Salut tout le monde. Et de Tourcoing, Height Alien. C'est qui salut, va arriver Sébastien. Salut Sébastien. Salut. Ah, Sébastien, c'est numéro 2 du 59 aussi, là, on dira. Bah du coup, pourquoi il y a deux Sébastien du Sacnas? Non, il y en a trois. Salut Seb. Ah oui, c'est Vandenborg, ouais, excuse-moi. Ouais, Seb ouais. 59 FC. Salut Sébastien. Salut Rémi. Je dis 59, c'est juste aussi ou bien? Bien sûr. D'accord, ça va? Il y a deux Seb RC 59. Bah, ça va et vous, à part cette journée de déluge, justement, je voyais que Tony était connecté, je voulais avoir un petit comeback. Sur sa journée à Neulémine. Alors, le comeback, il n'y a pas grand-chose à dire. Ça prend très très mal. Normal, ouais, mais parce qu'il a son masque. Ouais. Il n'y a pas grand-chose à dire, on n'a pas pu rouler. T'entends pas, Tony. Tony, 1-2-1-2. Va falloir mettre un micro dans le masque. Je disais, on n'a pas pu rouler. Rien du tout. Pas du tout, du tout, pas du tout. Du coup, c'est quoi? C'est une manche qui se refait pour vous en brushless ou comment ça va se passer? Je sais pas, à ce stade, c'est déjà une course qui avait été reportée. Hein. Donc, ouais. Donc c'est une course qui datait du mois de mars, avec le Covid, ils l'ont reportée là.
Demain, là, il y a la course thermique Nitro. Elle va se faire. A priori, il pleut pas du tout demain. Donc demain, il y aura du beau spectacle. Ça vaut le coup d'aller voir les finales l'après-midi. Pour ceux qui sont pas trop loin. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de bons pilotes. Quoi. Tu vas y faire un saut, toi ? Je sais pas encore. Je sais pas. Franchement. Moi, je suis en plein chantier, là. On a fini tout à l'heure, là. Je continue mon chantier à l'arrière, là. Donc, au poste de Velux, les gouttières et tout, j'étais sous le Velux toute la bonne partie de la journée, là. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu un sale temps aujourd'hui. Ah, laisse tomber. Et de quoi, Tony, tu refais un live ou pas aujourd'hui? Je ne peux pas vous le dire parce que je me suis levé à 5h40. Donc, j'ai fait une sieste tout à l'heure, mais. On va regarder un petit film en famille parce que nous l'Eurovision, je pense qu'on va pas se le faire, ça c'est pas notre truc. Mais si après le film je le sens, bah pourquoi pas. Sinon dodo. Voilà. Bah, Tony, tu te lèves à 5h du matin une fois. Non, je t'embête. Ah, vous avez eu carrément un orage de grêle dans le 36. Ah, moi, j'aime pas la grêle. Enfin, personne n'aime la grêle en même temps. Ah bah non. La grosse grêle, Tamia, Baja. Comment ça m'appelait tout seul, ça vient. Eh ben, dans la Suisse romande, il n'y avait pas de pluie non plus. Ah, quand même, des petits graviers, bah, c'est déjà pas mal, ouais. Ça peut faire, ouais, pas des gros dégâts, mais quand même. Mais... Moi, j'étais content. On a eu une époque, un énorme orage de grêle. Je venais d'acheter ma nouvelle voiture. 3 semaines, elle avait... Il y a eu combien? 390 impacts de grêle dessus. Voilà. Vive, heureusement qu'il y avait des assurances. C'est qui a parlé d'orage? Non, c'est ma femme. C'est ma femme qui a dit garage. Ah, j'ai compris orage. C'est bizarre, il y a une drôle de voix. Mais là, il va pleuvoir dans 5 minutes. Là, il y a, à mon avis, de nouveau une draft. Ouais. Bah alors, chez nous, c'est bien gris à Lausanne, hein, Anthony. Alors, moi, de mon côté, je crois que c'est l'inverse. C'est beau. Monsieur Rémi, il fait toujours beau. Bon soleil. Oh, il y a du rayon de soleil, les nuages. C'est un peu plus éclairci de mon côté. Et Rémi, t'as roulé ton Absima ou bien t'as juste fini de le monter? J'ai testé tout à l'heure, malheureusement, il a commencé à pleuvoir, donc la voiture elle s'est vite salie. Mais sinon, franchement, ça marche plutôt bien. En charbon, 2S, c'est impressionnant. Bah tant mieux. J'ai le cerveau de mon short course qui est HS. Il a grillé, mais ou bien quoi? Ou il a cassé? Et en fait, j'avais mis les roues que j'ai eu avec pour que le gars m'avait donné. Et plus le petit poids que j'avais installé pour éviter que le short course il se lève de trop quand il y a du. Et ben ça fait que le cerveau il a forcé, il a chauffé, et puis j'ai eu des pertes de direction. Quand je voulais tourner, bah le cerveau il tournait pas. Du coup là je vais changer.
Ouais, bah moi, tu vois, j'ai sorti le chrono là, pour la première fois aujourd'hui sur ces roues. Et puis, j'ai dit, il braque pas, j'en sers aux 35 kilos dessus. J'ai dit, merde. Puis, en fait, comme j'ai dit vu avec Tony, en fait, j'ai resserré un peu le cerveau. Ma deuxième, il n'est pas assez serré. Et enfin, ah ouais, ouais. Je me dis. Bah, moi, c'est... Non, j'ai le même problème. Sur mon côté, je dois avoir mis du frein filet parce que mon cerveau, il arrête pas de se bloquer sur le châssis. Ouais, bah c'est des réglages. Il y a des astuces. Si tu veux pas mettre de frein filet et qu'il se desserre tout le temps, en fait, tu peux le remonter par exemple de 2 mm, ton ressort, ta molette. Et pour pas qu'elle descende, bah, juste en dessous, il y en a qui mettent par exemple un petit colson. Tu vois ? Ah ouais. Mais faut mettre du frein filet sur le chrono, je connais, ou il n'y a pas besoin ? Non, non, mais j'ai pas encore résolu le problème. Bah, tu m'as dit que tu avais eu ça. Oui, il s'est desserré, mais j'ai pas encore resserré. Ah, ok. Ah, à chaque fois. Mais une petite goutte de frein filet, ça dérange pas sur son cerveau. Bien, c'est... Non, ça peut. Faut mettre du soft ou quelque chose comme ça. Bah. Ça dépend si t'as besoin de le régler ou pas. Hein. Si t'as pas besoin de le régler, tu sais, ce genre de truc, une fois que tu l'as resserré, t'as plus jamais besoin d'y toucher. Hein. Ouais. Je regarderai, j'entends pas toutes les réglages pour fignoler les choses. Ouais. Et puis le différentiel central, t'avais durci un peu, Tony? Ouais. Non, j'ai pas encore touché. D'accord. Non, mais moi, c'était trop court chez moi. Faut que j'aie plus d'allonge pour ce truc parce que ça pousse. Hein. Hey, j'ai vu ta vidéo, c'est pas l'endroit pour faire aller le pont. Non, tu l'as vu, hein. Sais, mais, t'es d'accord, c'est violent hein, comme ouais, voiture. Oui, j'étais devant chez moi, c'était pour les premiers tours de route. Tu vois, je voulais le tester avant de voir si, voilà, quoi, voir si ça tournait, tout ça. Puis, j'irai faire une prochaine vidéo un peu où il y a de la place. Quoi. Merci Baja pour la vidéo, merci beaucoup. Moi, c'est le pignon moteur qui se dessert. Mais pignon moteur, moi, j'ai mis de la Loctite, par contre. Mais c'est vrai qu'avec le 2200 kV, ça envoie déjà pas mal en 4 tesses, hein, Tony. Ça. Ouais, c'est terrible. Ouais. Par contre, faut être prudent un peu sur la chauffe, là. Bon, je n'ai pas beaucoup roulé, mais c'est vrai que... Bon. Si tu fais des petites accélérations comme je faisais devant chez moi, ça chauffe vite. Hein. Même si ouais, c'est pas. Ouais, il faut une grosse drache. Quoi? Une grosse drache maintenant qui tombe. Ah, chez toi. Une grosse drache, c'est une grosse pluie en fait. Ouais, une drache, ouais, quand on dit drache, il pleut chez nous. Oui, mais tu sais, on a nos expressions. c'est une grosse pluie, ouais. J'ai bien aimé, Tony, ta petite vidéo sur le S35K à nœud, là. C'est vrai ? Merci. Ouais. Elle marche bien, dis donc, 1300 vues. Après, c'est le succès de Tony RC, c'est bien. Et moi, j'avais même pas reçu la notif de ta vidéo. De la première. Mais c'est vrai que la vidéo en sent, je pense qu'elle est bien dans le sens où je présente une voiture, je présente un club, puis je roule. Donc ça fait quand même trois sujets quasiment, tu vois. Ce qui était surtout intéressant, c'était les quelques minutes où tu te démenais à essayer de comprendre l'enchaînement du milieu. Ouais. Où tu revenais, hop, tu disais bon, tatati, tatata. Moi, ça m'a, de visu, déjà, ça m'a aidé parce que c'est vrai que cet enchaînement-là, c'est la partie la plus dure du circuit. Ouais, c'est vrai. Un coup je la passe, un coup je la casse, un coup je la. Ouais, moi, c'était voilà. Pareil à chaque fois que j'essayais de la passer, c'était un coup j'arrive, un coup j'arrive. Bon. Ben, de toute façon, enfin, il faut vraiment. Ouais. La première fois que j'ai roulé là, je me suis dit, mais. J'osais pas, en fait. En fait, au début, j'osais pas. De peur de tout casser, de peur de. Voilà. Puis tout doucement, j'ai regardé un peu les autres, voir où est-ce qu'ils attaquaient.
qu'on m'ait passé, le coup de gaz qu'il mettait pour épouser la deuxième, tac, pour relancer. Et là, pour l'instant, c'est, on va dire, un coup sur deux pour moi. Ouais. Coup sur deux ou deux coups sur trois, ça dépend. J'ai cassé un cardan sur mon truggy à cette bosse-là. Ouais, t'as dû envoyer du steak. Bah, en fait, c'était vraiment à la fin de la réception de la bosse. Et je sais pas, une, sûrement une mauvaise réception, et puis le cardan, il est sauté. Et moi, je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure. Au revoir. Salut Manu. Salut. Bah, moi, je vais faire mes events pour le dernier, la dernière manche du championnat de RC Balade. Dis donc, t'as dû vachement progresser en pilotage, vu tout ce que tu fais en... Quoi ? Tu as dû vachement progresser en pilotage, alors ? Ouais, je suis encore le... Bah, je suis toujours en fond de classement, je vais pas te mentir, mais... Dans le fond de classement, on est toujours les mêmes, hein, et... Ouais, mais il y en a qu'un qui... Il y a des très bons devant, j'ai vu, il y a des très bons devant. Bah, il y a des Christophe Parissal, bah, il y a Régis, il y a Yann Ménard, il y a Hugo... Et c'est tous des mecs qui font des... Enfin voilà, ils ont du doigt, ils font des CF, ils font des trucs, c'est des pilotes quoi, donc... Non, la dernière fois, ils ont reconnu ma progression quand même. Je suis encore loin de... Mais même moi, j'ai... Voilà, je me suis quand même amélioré sur certaines choses. Je suis pas encore bon sur tout, en particulier... Après, ils passent beaucoup de temps, eux. Hein. Ils poncent, comme ils disent, hein, ils poncent. Hein. Moi... J'ai fait live avec Régis le dimanche dernier sur la dernière course, pour une fois que je venais au live. Ça faisait bien longtemps que j'étais pas venu avec lui, il était super content. Et entre dimanche et hier soir, j'ai rien fait. Donc tu vois... Donc hier soir, j'ai fait un essai. Le dernier, il était en 16 tours, mais je lui mets 25 secondes. J'étais pas loin des 17. Et là, ce soir, je pense que je suis capable, pour le dernier événement, de faire 18 tours. 18 tours, ça serait très bien. Là où les meilleurs, ils font 20, 21. Hugo, il n'a pas encore roulé, donc Hugo, il va faire 22, 23. En général, sur les meilleurs, je prends entre 4 et 5 tours quand même. Ce qui est énorme. Mais ça fait des doigts un petit peu, quoi. Ah bah, je suis sûr, hein, pour quelqu'un qui n'a pas l'occasion de rouler en club, ça t'apporte forcément des notions de trajectoire. En plus, toi, tu regardes le chrono dans ce jeu-là en permanence. Donc, tu finis à force de poncer tour sur tour à voir quand tu gagnes du temps autour. Et ça t'apprend forcément à mieux piloter. C'est ça. Bah, Manu, le coup de chez la nulle ces derniers temps, avec la voiture, j'ai encore de la progression, hein, bien sûr, à accroître, on va dire, mais j'ai déjà amélioré certaines choses, quoi. Après, ça va être tout rien, ça veut dire que pendant 10 minutes, ça va bien rouler, et pendant 5 minutes, ça va être de la merde. Donc, c'est ça mon erreur, c'est que je suis pas encore régulier. Et pareil sur VRC, hein. Sur VRC, là il y a des courses où j'étais en, je dis n'importe quoi, mais ça c'est mon niveau, je fais des tours en 35 secondes, et d'un seul coup je vais faire des merdes en 40, 42, ben, forcément, au final, voilà. Mais ouais, ça m'a aidé à progresser, et puis le groupe de Régis c'est un bon groupe, on s'amuse bien, voilà. Après de là y passer 35 heures par semaine, non ? Parce que j'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire, et puis, voilà, moi la famille c'est la base, hein, je pense, pour tout le monde, mais l'URC c'est une passion, certes, une grosse passion, mais je fais jamais passer mes passions au-dessus de la famille, au-dessus des priorités. Bonsoir le Discord. Salut Steph. Oh monsieur, authentificateur asséché, bonsoir. Salut Stéphane. Bon. Ouais, bah ça va pas, il y a de l'orage chez nous, c'est la merde. Arrête de trouver des excuses avec l'orage. Ouais, bah ça coupe, il n'y a plus de courant, donc ça disjoncte tout. À ce moment-là. Bah ouais, là on a eu, vraiment, on est dans une phase bien d'orageuse. Stéphane, c'est toi qui m'as dit que j'allais mettre des haricots blancs dans mon jardin.
Ouais, c'était pas ce qui était sous le caniveau, là. Ouais, je crois. Mais c'est pas moi qui m'occupe de ça, tout ça. C'était pour faire plaisir à Sébastien 67, là. En fait, les haricots blancs, c'est des faillots. Ouais, justement, c'est pour ça. Y a pas eu trop de frustration, Tony, du coup, des mecs qui ont pas pu rouler? Non, ça va, ça va. Ah, je sais pas, en tout cas, pour ma part, c'est tout, c'est une fatalité. Ils ont fait un concours d'apéro, alors. Bon, du coup, il n'y a pas eu de course du tout, alors. Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, je suis arrivé, il n'y a plus personne qui parle, ou je leur ai fait peur, ou quoi? Ouais, c'est l'orage. On a peur que tu fasses tout disjoncté. Non, du tout. Le soleil est horrible. Je vais concentrer, Tony. Bon, pas spécialement concentré, hein. Là, c'est du backing tout noir, hein, donc voilà. C'est les sièges, et puis au-dessus, c'est un noir charbon. Voilà. Donc, quand on est prêt, en fait, là, il y a le film, mais c'est un espèce de noir métallisé. Voilà. Là, ça donne bien, ce noir uni, comme ça. Les couleurs unies donnent bien. Il est uni de loin, mais il est charbon, donc il est métallisé, c'est ce que je disais. Là, non. Là, il n'y a rien d'autre à faire. Je vais pas passer du blanc sous les sièges. Je mets du noir parce qu'il y a besoin de mettre du noir derrière le noir charbon. Mais là, non. Parfois, certaines carreaux, je laisse un backing d'une certaine couleur. Ça dépend des cas. C'est... Quand il y a du fluo, forcément, ça va finir en blanc. Ouais. Mais là, t'es limite de faire ça au pistolet plutôt qu'à l'aérographe. C'est quand même une surface. Tout à fait, Tamir. Tout à fait. Après, le problème au pistolet, c'est que je consomme beaucoup de peinture. Ah ouais. C'est moins précis le réglage. Vas-y, c'est déjà prêt, attends. Bon, t'as réussi à faire ta petite interview avec Mumuse? Non. Du coup? Vous avez fait quoi alors? Vous avez regardé tomber la pluie? Exactement. Et couvre bien le noir là. Ouais, c'est un noir. J'ai d'abord mis un noir charbon qui est transparent et là je suis en train de mettre un noir opaque. C'est beau la pluie, ça va Black? C'est gentil de dire ça. Mais on en a un peu moins cette année, faut qu'il y a que ça la pluie. Apparemment c'est général. Et ils vont cet été? Ouais, mais j'espère que ça ira mieux. Non, sinon on a beaucoup parlé, moi j'ai
Moi, j'ai démonté mon train arrière parce que j'avais oublié de mettre mes deux vis de droupe sur les trains à l'arrière. Donc du coup, j'en ai profité pour bien régler le drop à l'arrière. J'ai pareil démonté un petit truc sur le train avant pour bien régler le drop. Voilà, et puis après j'aurai encore des petites modifs à faire, mais en tout cas la voiture, bon, c'est dommage qu'on ait pas pu rouler parce que. Ouais, mais si il fait beau demain, vas-y Tony, puis tu nous fais une super vidéo thermique, puis tu vas rouler après. Alors je suis tout à fait d'accord. Mais, ah, mais tu vois ce que a dit Sébastien de Chy, priorité, là tu vois j'étais pas là une partie de la journée, donc demain, bah si il fait beau et que madame me dit on va se balader, et bah j'irai pas l'emmener à Neulimine, tu vois. Logique. Logique. Par contre si elle me dit oh j'irai bien chez ma mère, je dirais ouais. Bah, tu lui demandes s'il veut pas aller chez sa mère demain. Elle y a déjà été semaine, alors merde. Tony, moi c'est ma belle-mère qui vient. Belle-mère. Non. Mais Black, il transforme tout, hein. Il y a quand même une petite. Comment ADN de monsieur le gros qui traîne sur ta chaîne, Tony, des fois. Black, c'est un coquin. Parce qu'il dit démonter le train arrière, ça. Exactement. Ouais, mais après, il met des égales avec une grosse mèche au bout. Je dirais rien, Black. Hein. Ouais, il faut savoir que ma femme, quand elle va chez sa mère, ça lui prend du temps. Parce que sa mère, elle habite à Bapaume, donc c'est à une heure de route d'ici. Voilà. Bah alors 6-2, elle te dépose à Neulimine et après elle vient te chercher. Non, j'ai déjà regardé, c'est un détour. C'est un sacré détour en fait. Parce qu'elle, elle prend la 1, direction Paris, tu sais, elle sort à Bapaume. Et aller à Neulimine, c'est un beau détour, tu passes par l'autoroute qui va de Lens à... À 21. Eh bah, Bapaume. Ta belle-mère, elle est pas en prison quand même. Ah, mais dis donc, comment ça fait que tu connais la prison de Bapaume, toi? Tu as déjà été ou quoi? Ah non, mais chauffeur routier pendant 10 ans, j'ai pas arrêté de me promener dans ton patelin, là. Il y a ces versets qui disent que tu dois appeler ta belle-mère pour lui dire que ta femme va demain avec les croissants puis boire un café. Bon, en tout cas, s'il fait beau... Et si je vois, peut-être que j'irai, mais c'est pas non plus innocent, hein. Ce qui me fait chier, c'est que c'est 50 minutes de route pour ma part, hein. Voilà. Ah, et moi je fais... Et tout ça pour pas rouler non plus, c'est juste pour vous faire des vidéos, pour que vous soyez... Ouais, bah, ça intéresse, rien que la petite 10 minutes de mumuse de ce matin, même s'il y avait personne qui roulait, franchement c'était intéressant de voir un peu... Sinon il y a une solution, hein. Amelia, tu prends ta voiture? Tu passes par, par chez Tony, tu prends Tony, puis vous allez au Carca. Bon, Tony, je pars maintenant, hein, j'arrive. Je roule de nuit. Cargo de nuit. Hein. Je pourrais, j'ai congé lundi, j'aurais le temps de faire l'aller-retour. Je serais un peu usé, mais... Prends de l'eau, vos maltines, c'est de la dynamite. Voilà, non, mais une fois que j'ai prévu des vacances, peut-être j'irai une fois s'il fait beau. Enfin, quand on pourra un peu plus voyager, parce qu'on peut de plus en plus, mais on sait jamais. J'irai une fois à dire bonjour à mon idole, quoi. Bon, on va attaquer la carreau de monsieur Hunch. Il m'écoute pas. Il m'écoute pas. Si je t'écoute, mais je sais que tu blagues. Non, ben venir te voir, je blague pas, ça me fait plaisir une fois de te voir. Tu me conseilleras un bon hôtel dans ta région? Ça s'appelle le Peuple Belge. De quoi tu dis? Le Peuple Belge. C'est un hôtel ou bien c'est une plaisanterie? Tony. C'est un boulevard où il y a plein de prostituées, quoi. Ouais, ça, je sais pas. Tu vas forcément trouver une chambre. Non, mais je vais venir en famille, donc voilà. Ah.
Non, si je viens, je pense que je viens en tout cas. Un bon hôtel, un bon hôtel vraiment classe de chez classe, mais non, classe de chez classe. Un hôtel normal, j'ai pas besoin d'un hôtel 26 étoiles. Non, parce qu'il y a des 5 étoiles à Lille, hein. Il y a l'hôtel des Tu vas à l'Ermitage, à l'Ermitage Gantois. Ah ouais, puis tu croiseras les joueurs du LOSC. Ouais, non, entre autres. Non, mais si une fois je viens dans le Nord, ben, vous me conseillerez, mais c'est pas encore tout de suite, mais ça me fera assez envie de voir toutes les, avec toutes les puces qu'il y a. Peut-être d'ici là, j'aurais fait mon Trudis Works. Ah, vous voulez voir un Trudis Works? Allez, petite pause. Je peux pas rien faire, là, je suis en plein event. Ouais, bah, je te fais confiance, CBRC. Puis je viendrai manger chez CBRC aussi. Non, mais ça me dirait bien d'aller une fois, ça fait des vacances aussi. Hein, ça. Du côté d'Asbrook, on sait bien recevoir, t'inquiète aussi. Oui, oui, non, mais. Enfin, en général, chez non, nous. Mais, on... Non, mais c'est vrai que blague à part, étant suisse, on va tout le temps dans le sud, hein, au sud de la France, comme tout le monde, quoi, c'est ça. Bon, après. On vient jamais dans le nord, quoi. Et voilà le nouveau châssis à l'atelier. Chez à l'atelier Tony RC, tous les châssis viennent se faire poncer. C'est à qui ça, Tony? C'est à CBRC. Exactement. Parce que monsieur CBRC ne sait pas faire des soudures. Bah, il a un châssis Works. Un T tout court. Ou bien c'est un S35T. Vous avez vu la longueur des triangles? Ah, mais c'est le Truguier. Ouais. Avec ouais, le cerveau coupé ouais, dans le. Mais... Sur la... Je ne savais pas que les triangles étaient pleins sur le Truguier, tiens. Mais comment ça se fait qu'il est déjà usé s'il n'a pas soudé le moteur? Tu l'as tiré qu'une ficelle? Je l'ai vu rouler, moi. Hein? Je l'ai vu rouler, moi. Ouais, il a roulé avec. Ah. À mon avis, il change. Mais... j'ai pas tout suivi. Non, je pense qu'il a changé quelque chose, le moteur, et il a fait des soudures de merde. Non, il avait mis des pinces crocodiles. Il avait mis des pinces crocodiles. Des pinces crocodiles. Bon, Tony, alors tu nous fais un live soudure après, alors. Donc c'est le Truguier, ça, on est d'accord. Hein. Ouais, c'est le Truguier. Ouais. Mais là, il monte des morceaux, il t'a laissé le Vario quand même. Oui, il m'a filé le Vario. Mais le Truguier, là, quoi, c'est aussi un sous 4S ou bien? Oui, il roule en 4S toujours. Nous, ici, à part mais, manger... Ouais, ça suffit. Ah, bah, j'ai vu que ça suffisait, même avec le chrono, ça suffit. Donc. Non, mais à part la catégorie GT... en Trugui, tout ce qui est tout terrain, c'est 4S seulement. Voilà. Mais il y a que c'est un SCT dessus aussi, ou bien c'est un. Ah oui, c'est un SCT, ouais. Bah ouais, c'est ce que je viens de dire. Un 140 SCT. Merci, Seb. Hop. Par contre, il a le cerveau qui est vertical, qui est à la verticale. Ouais, c'est bizarre ouais, ça. Hein. Si je me trompe pas, le cerveau. Le... Par rapport comme ça. Le cerveau et la verticale. Bon, Anthony, si je vais en vacances une fois dans le Nord, bah, avant que j'arrive, tu me feras mon Truguis Works si j'en prends une fois. Ouais, bah, bien sûr, mais par contre, tu me diras à quelle date tu viens pour que je sois là. Écoute, je sais pas, là, c'est des projets. Tu vois, c'est ça. Après. Après, si j'ai 2 semaines de vacances l'été, je suis pas sûr. Peut-être on va du sud, puis après on monte dans le nord. Ça serait cool, Tamia. C'est qui m'a dit ça? Nous dans le nord. C'est moi, Rémi. On n'a pas la météo, mais on sait accueillir. Voilà. Non, mais franchement, si ça se concrétise, je te tiendrai au courant, Tony, parce que pourquoi pas, ça peut être rigolo de se voir. Puis voir les autres. Enfin, je sais pas, vous êtes pas très loin, Seb 59, tout ça. Seb RC, il est à 30 minutes de chez moi, je crois. Rémi, il doit être à 30, voire
30 ou 40. Non, ouais, 30-45 minutes à peu près. Ouais. Ouais, bah alors, toi. De Chy, il est à Lille, donc il est à 25 minutes. Ben, si vos terrasses sont ouvertes, on ira tous manger chez Seber. Et ben voilà, c'est ce qu'il vient de dire. Exactement. Non, mais on verra, on sait jamais. Écoute, ça serait juillet, toi, donc c'est bientôt, mais voilà. Alors, juillet, je suis présent que les 9 premiers jours. Quoi, tu vas où? Tu vas dans le sud ou bien? Je vais dans les Alpes. Dans les Alpes, tu viens chez nous, quoi, c'est ça? Ouais, je vais en vacances dans les Alpes. Mais nous, on est au Barman dans le sud. Ah ouais, bah toi, roule le 11 juin. Ah oh, mais si Tony n'est pas là, voilà quoi, c'est embêtant. À moins que je prenne... En juin, je suis pas là, en juin, j'ai pas de vacances. Je suis hyper libre, en juin, j'ai plus aucun mariage. Et en août, t'es là, Tony, en août? Ouais, je suis là, j'ai beaucoup de boulot, tous les samedis, j'ai des mariages. Voilà. Non, ouais, d'accord. Mais à part ça... Pour revenir à ce qu'on disait, je vous redirai si tout d'un coup, peut-être en août, je peux prendre. T'es bien. Bienvenue. Ouais, bah écoute, ça peut être rigolo. Soirée spéciale, fête de la musique, le 21 juin. Ah non, ouais, non, bah voilà, on va acheter ça. Ah, Tony, je disais, le cerveau à la verticale sur le X35T de CVRC 59RC, je sais plus. Il était le même sur le S35-3, sur le buggy. Ah d'accord. Donc c'est un truc hérité du S35-3 alors. Bah, de toute façon, le S35-T2E, c'est un héritage, c'est une base de S35-4. Et le S35-T, donc la première version, c'est un héritage du S35-3. C'est plus ou moins, voilà quoi, on part sur pas mal de bases du S35-3 sur la première version et l'équivalent pour la deuxième version. Pareil pour les GT, hein, les GT, alors pas sur tout, mais la première GT chez S-Works, elle était basée sur, tu regardes un peu les descriptifs techniques, pas tout, hein, mais il y a pas mal de choses qui sont, d'ailleurs j'en avais parlé à un moment, le S35-3, je voulais le garder et on m'avait dit t'as juste à racheter des tourelles, les amortos, mais ça m'aurait coûté je sais plus combien de balles pour racheter le bumper à l'avant, les tourelles et puis les amortos GT8. Mais tu t'as vite fait de passer ton S35 alors 3 ou 4 en GT, hein. Ouais. Ah oui, ça aurait été intéressant. T'aurais pu aller rouler à Rennes. Non, franchement, Tony, j'ai envie d'aller rouler avec mon truck là, putain. Une petite question là, ceux qui ont des camions, oui. J'aimerais connaître le poids d'un camion. Oh. Tony, j'ai pas de balance. Moi non plus, et j'en suis pas une. non, je sais pas, je peux pas te répondre. T'es pas sur les forums sur Facebook, t'as mis un truck challenge et tout ça? Ouais, bah, c'est parce que j'ai fait un truc tout à l'heure là, j'ai refait un pare-choc. De mon camion là, de l'ancien camion à Tony. En fait, j'ai trouvé un truc chez Intersport, un cube en mousse là, et je l'ai taillé dedans et ça va pile poil au support du man quoi, à l'avant du man, ça va nickel chrome. Je ferai des photos, je mettrai des photos sur le Discord et puis sur les salons, ouais. Les challenges. Mais après, est-ce que pour le challenge c'est homologué? Attention. Ouais, après pour l'instant je m'en fous, challenge, tu peux quasiment pas sortir des clous, il te faut des voitures d'origine, c'est l'horreur. C'est ce qui fait son charme, je trouve, parce qu'après c'est le pilotage qui va faire le bonhomme, la course. Mais après il y a deux catégories, hein. Il y a l'open et puis l'autre là. Le stock, ouais.
Après, rappelle-toi ce que disait Hubert hein, par rapport à ça, Anthony, hein, sur les Damia. En Belgique, hein. Je ne peux pas le dire, je l'ai dit une fois, je me suis fait des ennemis, donc j'ose plus en parler. Mais bon, c'est la malheureuse vérité, a priori. Il y a des gens qui sont trop innocents pour croire qu'il n'y a pas de tricheur. Voilà. Mm-hmm. Le truc, c'est que comme nous, on en connaît, et que voilà, et que moi, je connais des noms de gens qui sont inscrits et qui vont aller participer à ces manches-là, c'est des tricheurs, c'est des gens qui connaissent tellement bien des petites astuces, c'est des astuces qui font des différences terribles au niveau de la performance. C'est des astuces qui ne se voient pas. Voilà. Hello Sébastien 67, peut-être. Si j'en fais un, c'est après 22h. Bon, Sébastien, il n'a pas le droit d'être sur le Discord, madame fait la cuisine. C'est les sacrés clignotants qui nous fait, Tony, là. En orange comme ça, c'est clignotant, c'est pas les phares. Alors, ça. Un petit coup de blanc, et puis après, celle-là, ça sera... Et ben moi, par amour du RC, ça fait une petite semaine et demie que je suis la chaîne Trek RC. Je sais pas si vous avez vu un peu. Ouais, Trek RC en fait. Ouais. Après, moi, ça rejoint carrément ce que je recherche un peu dans ma pratique. Hein, parce que, à défaut de rouler avec un camion ou un TT1 8ème, un TT1 8ème. J'ai participé à quelques courses d'endurance. Mais quand je dis endurance, au sens propre du terme, c'est-à-dire l'homme et la machine. Et là, il y a un mec qui vient de se... Alors, je pense qu'il est connu dans le milieu, mais moi, je l'ai pas encore contacté. Enfin, je l'ai contacté, mais bon, là, il est sur le terrain. En fait, il a lancé une chaîne qui s'appelle Trek RC. Il roulait avec un Hobitech. Et donc un petit scale et il est parti sur le chemin de Stevenson, qui est un des chemins de grande randonnée mythique de France, et il est parti accomplir les 286 km ou 272 km, je sais plus exactement, avec un crawler Hobitech, voilà, à pied à raison de 20 km par jour avec sa compagne. Et un crawler qui est deux boîtes avec deux trois petites modifs pour le stabiliser un petit peu, comme on sait tous faire, et puis vas-y, roule ma poule. C'est toi, Sébastien, spécialiste du crawler, alors? Bah, spécialiste, c'est un grand mot. J'écoute, j'ai une question, je sais peut-être qu'on te l'a posé qu'un soir, mais tu sais, j'ai un ATRX4. Mm-hmm. Et puis je l'ai laissé en configuration standard, et puis je vois partout soit le hack, soit le fusion. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est bien? Vraiment bien? Le combo que t'as dedans, c'est quoi? Non, j'ai le combo d'origine Traxxas dedans, hein, tout simplement. Ouais. Mais je regardais le fusion ou bien le axe. Ben, pour moi, j'ai jamais eu le axe, mais j'en ai pas mal qui roulent avec. J'ai eu très bon retour sur le axe. Moi, comment ça s'appelle encore celui-là? J'ai du Tekin. Ah, du Tekin, ouais. Voilà. T'es en brushless? Je suis en brushless, bah ouais, mais moi, je fais, pas tout le temps, mais
Moi, je fais des courses d'endurance de 12 heures ou 6 heures minimum avec une voiture. Et je cours avec la voiture, moi. D'accord. Ah oui. Et avec le crawler. Ouais, mais attention, c'est enfin à la base, c'est une base de. Alors, putain, il est vieux maintenant. À la base, c'est une base de. C'est un SCX-10 de base. Ouais. Mais c'est plus un SCX-10. Ouais, moi j'ai aussi un Axial. Ouais, ce que tu veux dire, ouais. C'est. Il y a Axial qui a sorti un nouveau. Enfin, pas un crawler, mais c'est à peu près pareil. Tu me parles du. Non, du tout. C'est à la base, pour moi, la base, c'est le SCX. Maintenant, on a le SCX-10 3, c'est le dernier de la génération, hein, pour ceux qui connaissent un peu chez Axial. Moi, voilà, je suis parti sur une base de SCX-10 tout court, donc un truc qui est old school, on va dire. Ah oui, mais il n'y a plus rien du SCX-10 quasiment. En fait, les deux poutres, les deux rails qui font office de châssis, c'est des rails usinés par un gars qui procure un centre de gravité ultra bas. Les deux ponts, c'est plus les ponts d'origine, c'est des ponts en métal de chez Asiatiz, Boom Racing. Enfin, c'est un mix de pas mal de petites choses. Mon accu n'est plus en position avant, comme vous pouvez le connaître, il est fixé sur les rails en longitudinal. Voilà. Après, t'en cherchais pour répondre à Tania Kitt, un autre combo que j'ai là qui est pas mal, c'est les Holmes Hobbies. Ouais, mais ça c'est du brushed alors, c'est du charbon. Non, parce que bon, il fait brushed et brushless. Il y a le Trailmaster Pro, si je me trompe pas, waterproof brushless. Et il fait charbon également. D'accord. Et de la fusée, de la patate. Il y a tout, drag brake réglable. J'en ai deux comme ça, j'en ai un pour moi et un pour mon fils. Par rapport au B-Wing, c'est plus cher ou moins cher? Après, il faut chercher, hein, c'est comme partout, hein, c'est comme tout le temps. Moi, je te parle d'un combo qui a été éprouvé moult fois sur des courses assez violentes. D'ailleurs, c'est un Holmes Hobbies qui a gagné, sur lequel j'ai fait 5e sur 12 heures en Italie. Le truc n'a pas bougé, il n'y a rien. Et il a gagné les 6 heures en Belgique en 2019. Donc, après, franchement, si tu peux t'orienter sur quelque chose, un bon combo Axe ou B-Wing. Je pense que tu peux foncer les yeux fermés. Ouais. Et combien de KV 1008 en dessous des 2000. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Et là, j'ai monté un moteur. Il est en cours de montage. Je suis en train de préparer un performance scale. Donc là, pareil, performance scale égale franchissement, égale débattement de ouf. Et dessus, je vais y monter un moteur à cage tournante. Tu vois lequel? Ah oui, je vois. Ouais. Donc c'est pareil, c'est un Holmes Hobbies, c'est le revolver et il est en 1800 kV. D'accord. Bah, j'irai un peu voir sur le net un peu les différences. Mais si tu veux t'orienter vers un Axe, le Axe il est bien. Et bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Salut Cédric. Ouais, salut Cédric. Cédric me dit que 1800 kV pour un TRX4, c'est bien. Ouais. Bah oui, c'est. Salut Artbox72, bon. Salut Daniel. Après. Voilà. Benoît Villette, après. Lui, déjà en live. Excusez-moi, je vous coupe un peu pour saluer. Non, c'est pas grave, Tony. C'est les nous, gars, nous. Pensez à mettre des petits j'aime sous la vidéo. Il y en a très peu, il y en a moins de 10. C'est pas bien, hein. Oui, pour revenir. Pour revenir à Cédric, il me disait que le Fusion était suffisant, mais moi, je sais que c'est un bon moteur, mais ce qui me chiffonne un peu, c'est d'avoir le Vario intégré au moteur, et puis ça me... Ouais. Je me demande, en cas de panne, si tu peux tout foutre loin, quoi. C'est ça ma question. Ou bien si c'est très fiable, ou s'il y a assez de puissance, je sais pas, je me rends pas compte. 1900 kV, ça sera amplement suffisant. Non, mais je dis le variateur intégré au moteur comme le Fusion. Ça, par contre, t'as un peu ta réponse dans ta question. T'as une couille, tu crames, t'as merde avec tout, quoi. Ouais. Mais. Ah, c'est pas chez moi en tout, quoi. C'est moi, c'est ma radio, pardon. Tu fais du morse ou bien? Non. T'as un casque, du coup, tu n'entends pas bipper, je suis sûr. J'ai un gros casque sur mes grosses oreilles. Ah, voilà. Et puis le Fusion, t'as des gars qui l'utilisent aussi dans ton club ou bien pas tellement? Non, après.
Non, non, après, je te dis, hein, il y a beaucoup de... Je sais que Mamba, il y a Mamba qui fait des trucs pas mal non plus. Hein. Ouais. Bah, je crois que Cédric est venu aussi parlementer Crawler. Salut Cédric. Salut à tous. Ouais, ça je suis plus typé Crawler, donc moi des Terry Scott, j'en ai trois, donc on Allez. Connaît un petit peu. Ouais, justement. Salut Cédric. Salut Tony. Cédric. Salut à tous. Salut Cédric. Et j'ai le Fusion et l'Axe, j'ai les deux. Donc, ouais. Mais c'est vrai que le Fusion, c'est au niveau tarif, quoi, qui te fait basculer sur le Fusion, puis la place. Ça te permet de limiter, de ne pas avoir le Vario, mais autrement, c'est vrai que l'Axe, il est un peu plus confortable à servir, à utiliser. Merci, Baja, ouais. Effectivement, j'ai monté. Et c'est rare que ça part Crawler ici, c'est intéressant. Hein. On a des spécialistes. Ouais, moi, j'avais une question, c'est quoi un moteur à cage rotative? Un moteur à cage rotative. Un moteur à cage rotative, c'est totalement la différence d'un moteur type brushless avec, on va prendre l'exemple d'un VS-Line que tout le monde connaît, ou un moteur brushless classique. Là, c'est la cage qui tourne, en fait, tu vois la bobine, et là, c'est la cage qui tourne. Et d'ailleurs, quand tu tournes avec ça, dès que tu mets un coup de gaz, tu entends un petit... En général, j'utilise ça en aviation. Des moteurs comme ça, dans les avions, ouais, ou sur les bateaux. Aussi. Ouais, ou les bateaux aussi, ouais. Moi, je les connais plus en aviation. Ouais, moi, j'ai 2-3 bateaux, ils sont tous équipés de cages rotatives. Je vais. Alors, télécharger. Bonsoir, BRZ, Dercepassion. Salut, BRZ. Bonsoir, salut, BRZ. BRZ, Dercepassion, le roi de la peinture de carrosserie du Sud. Ouais, pour nous, c'est le sud. C'est un peu loin du sud. Hein. Enfin, bref, Cédric, ouais, t'es un peu, pour être confortable, l'Axe, c'est quand même mieux, faut être honnête. Mais... Moi, honnêtement, je vois pas bien la différence entre les deux. Non, c'est les mêmes bases. Regarde, Tony, j'ai mis une photo sur Discord. Après, tu regarderas moteur brushless avion, tu vois trop. Puis au niveau. J'arrive à voir le Discord, c'est où? Non, en général? Ouais. Bon, moi c'est vrai que c'est pour amateurs. Hein. Moi je fais pas ça, je fais pas des courses donc peut-être. Non, mais pars sur un axe si tu veux pour être plus confortable et être tranquille comme t'as le Vario à côté. Mais ouais, les deux ont les mêmes comportements. J'ai d'accord. Deux axes, deux fusions, trois fusions même parce que j'en ai monté un sur le petit. Et ce qui m'a fait partir sur fusion, c'est surtout le tarif quoi. Oui, le tarif, ouais, c'est ça. Ouais. Bien sûr. Parce que c'est un 540 le moteur. Hein. Le Fusion, c'est un 540, mais il passe sur le TRX4, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais l'Axe, c'est des 540 aussi, ou 550. Hein. Enfin, si on prend ils sont plus longs. Ouais. Ouais. Après, l'histoire du Fusion, c'est pas que tu as un meilleur frein moteur avec le Fusion? Non, t'as les mêmes réglages. T'as plus de réglages sur l'Axe que sur le Fusion. Mais je veux dire, ton moteur, le Fusion, quand tu l'as dans un crawler, ça évite qu'il redescende quand t'es en montée. Ah bah, de toute façon, oui. Enfin, les brushless sont plus confortables à travailler, quoi. Si tu veux, quand t'as un frein moteur, t'as un frein moteur qui pompe pas de l'énergie comme un brushhead. Parce que quand tu vois les vidéos avec Romano et tout ça sur le TRX ou le Sherpa, quand il monte, le truc, tu vois bien qu'il redescend pas. Ça fait comme une boîte automatique sur une voiture. Ah, mais ça c'est les réglages de base que tu mets. Voilà, c'est le drag brake, ça. Ouais. Ouais, bah, tu peux régler le variateur du axe, la même chose que... C'est ça. Que le Fusion, ouais. Mais t'as plus de réglages sur le variateur du axe, il me semble. Avec la tout boîte à de fait. Problème. Ouais. Puis l'avantage, c'est que sur l'axe, tu le fais par téléphone. Directement sans carte de prog à côté. Et là, oui, il a le... Directement intégré Bluetooth, je crois. Mmh. Ah bon, d'accord. Ouais. Tu prends l'application Obi-Wing et tu règles directement ton axe via ton smartphone. Et sinon, elle est compatible avec la carte Obi-Wing pour les XR NS-Run ou pas du tout, l'axe? Non. Non, t'as pas de prise. Ah, tu es obligé d'avoir un téléphone avec l'application pour le programmer. Tout à fait. Bon, bah écoute, merci. Non, mais je t'en prie. Hein. Sur le Fusion, par contre, t'as la carte de prog. Le Fusion, d'accord, ouais. Voilà.
D'accord, bon, bah, j'ai toutes les infos. Merci les gars. C'est les trucs. Moi, il n'y a pas de souci. J'ai entendu que tu vous parlais de crawler, c'est pour ça que je suis venu donner mon avis. J'ai eu une petite vidéo sur le bruit de la cage tournante sur un crawler dans le général. En fait, c'est une cage thoracique. Mais par contre, parler de cage tournante, c'est quoi le gain par rapport à l'autre moteur? Je vais faire une photo sur un moteur type avion. Et c'est exactement la même chose. J'ai juste. Salut Bibibi, Bumblebee. Mais j'ai une question avec la cage tournante sur un crawler. Si tu te prends de la merde dessus en bon français, ça pose pas de problème. Mais justement, la cage tournante, elle est plus dédiée à du performance scale, c'est-à-dire on va pas aller dans la flotte. Ouais, ouais, d'accord. Donc c'est faut prendre un. Ouais, c'est mieux de prendre un moteur fusion wax pour aller scroller. Ouais. Après, moi, j'avais les deux Tekin que j'ai en 1800 kV, là, c'est des waterproof. Et ouais, forcément, j'étais obligé de passer dans des endroits où j'étais obligé de passer dans de la flotte. Ça n'a pas branché du tout, quoi. Après, ouais, bon, on fait attention quand même, mais on n'est pas à l'abri, hein. L'eau, c'est quand même sournois, mais bon. Non, c'est pas des bateaux, hein, on est d'accord. Oh, il y en a quand même qui vont loin, hein, dans le waterproofing. Attention, il y en a qui tentent des trucs. Non, moi je suis assez protecteur de mes véhicules, n'est-ce pas? Donc c'est pas moi qui vais aller faire le fou qui va aller rouler dans une rivière. Tu vois, je sais que ça se fait. Mais... il y a des bons produits maintenant, hein, pour encore plus waterproofer le waterproof, on va dire. Ouais, bah après, bon, t'as l'électronique, puis t'as la transmission, t'as tout après. Après, c'est de l'entretien classique derrière, quoi. C'est ça. Montage complet, hein. Ouais. Mais bon, le TRX4, c'est quand même une bonne base, quand même. Oui. Ah oui. Oui. Bon, moi, j'ai l'empattement court, hein. J'ai un G500, donc, mais ça... Mais j'ai mis des... J'ai mis les Canon Try dessus, quand même. Alors... Ah, une fois qu'ils sont un peu rodés, ils vont pas trop mal dans l'ensemble, les Canon Try. Ils passent déjà bien. Arrête ce BRC59. C'est des moqueurs. C'est des moqueurs. Qui c'est qui écoute la radio, la télé? Rémi? C'est dommage, j'arrive pas à enlever le moteur. Et toi, toi et Cédric, je sais pas, je t'ai posé la question à Sébastien, c'est quoi vos crawlers préférés? Niveau comportement, il y en a en-dessus des autres, mais pas vraiment. Après, je pense qu'il y a pas, enfin, il y en a toujours des mieux que d'autres. Après, c'est chacun son truc, c'est comme partout, hein. C'est comme c'est rythme ou coupe, voilà. Après, il y a aussi, comment je veux dire? Et c'est ce que j'ai fait moi. Après, moi, j'ai eu la chance. Après, moi, j'ai eu la chance. Et j'ai encore cette chance de pouvoir de, comment je veux dire? Comment je veux dire? Rémi. Rémi, il y a un retour par chez toi. Ouais. Oui, Seb. Non, je disais, j'ai eu la chance depuis fin 2019, début 2020, Cédric, tu connaîtras très bien la marque, d'être pilote team driver, comme ils appellent ça, chez RC4WD. Ah, okay. Ouais, je connais pas, mais ça doit être... Il y a Axial, il y a RC4, il y a Traxxas, mais RC4 et Axial, c'était toujours les deux, à l'époque, les deux, voilà, ça l'est encore, hein, mais deux choses différentes. Le RC4WD sera plus pendant ce scale vraiment pur, dans le détail et tout, dans la carrosserie, tout ça, nanana. À l'usage, moi j'ai envie de te dire que les voitures que j'ai maintenant ne sont plus des voitures de boîte du tout, et j'ai fait, je t'ai dit, hein, j'ai changé les rails, je me suis un peu informé, j'ai un peu partagé, j'ai rencontré des gens qui ont fait que, en discutant, tiens, tu devrais faire ci, tiens, moi j'ai fait ça, essaye, et hop, tac, et après, c'est à toi de te trouver un compromis qui te correspond, en fait. Ouais, ouais. Comme on dit, chaussure à son pied. Moi, je suis le pur débutant. Un TX4, ça va me suffire, je pense. Ah, mais il y a bien un moment où tu vas chercher à l'upgrader, il y a bien un moment où tu vas chercher... Ouais, ouais. C'est sûr.
Bah tu vois, je parle du moteur parce que ça, c'est mon futur futur upgrade, tu vois. Et comme j'ai tellement de machines et tellement de voilà, je fais tellement de choses, c'est que je peux pas toutes les faire en même temps. Donc c'est pour ça que je demandais un avis pour prendre la chose juste au départ, puis pas investir dans un truc et puis aller du mauvais côté, puis me dire que je vais rouler ça avec ça 2 semaines, puis je le changerai, tu vois. C'est pour ça que voilà. Pour couiner, pour regarder les avis, il y a plein de combos qui se valent. Il y en a qui diront non, c'est de la merde. Il y en a qui diront oui, j'aime bien. Là, j'ai un combo en attente, un Mamba. Ça, je vais mettre sur mon performance scale. C'est un Mamba avec un 2000. Je crois que c'est un 2650 kV. Ah ouais, quand même. Après, là, c'est pour pas rouler longtemps, mais par contre, c'est pour croquer du rocher, quoi. Donc, c'est pour avoir du couple. Du coup, pour le franchissement, quoi. On n'est pas. Voilà. C'est ouais, plus mais... pour faire des manches. Parce que normalement, je devais faire l'Eurocrawl. Cédric, je pense que tu connais. Ouais, j'ai déjà entendu parler, ouais. Je vais partir, malheureusement, l'année dernière, en 2019, en Autriche, septembre 2019. J'ai pas pu y aller. Elle devait se refaire en Finlande, en juin de l'année dernière. Pour finir, le Covid, il a tout planté. Ah, ça, c'est... Donc voilà, et ça par contre ça c'est la classe, quoi. C'est un truc que j'aimerais vraiment vraiment faire, à la fois en performance de scale, ma priorité, et en crawler pur avec les araignées, enfin ce qu'on appelle nous les araignées dans le jargon là, donc des trucs qui ressemblent à rien mais qui se désaxent vraiment avec des ponts, vraiment qui se désaxent à fond, qui peuvent permettre de passer de franchissement. Ah, des grimpeurs purs. Voilà. Purs. Voilà. Ah, j'en ai actuellement, j'ai un AX10 complètement modifié. Ah, là, existe le scorpion, l'ancien scorpion. Ouais. Ah ouais, c'était mon premier celui-là. Qu'est-ce qu'il était bien. Ciel. Ah ouais, non, mais c'est génial. La peinture. Je m'éclate. Ouais. Après, il y a eu le XR10, je sais pas si tu vois. Ouais. Ouais, mais j'ai des pièces. Il m'a fait un mix dessus avec des pièces Vanquish, châssis carbone, un joli petit rôle. Voilà, tu vois, c'est. Vous m'avez perdu là. Vanquish, regarde. Vanquish Product. Donc c'est une firme américaine. Vanquish, je te dis un simple exemple. J'ai un bomber, un axial bomber RR10, d'accord, que j'ai destiné donc aux États-Unis. Ils en font un peu en France. Cédric, t'as déjà fait le modèle festival et tout, Cédric, du coup. Ouais, non l'année dernière. Voilà, mais je devais y aller aussi. Eh ben, pas l'année dernière, mais l'année avant, peut-être qu'il y avait encore la U4 Race. Oui. Et donc, les Vanquish, Tamia, deux ponts de ouais. Vanquish, deux ponts, hein, rien que les ponts, c'est 400 euros. Minimum. Ouais, d'accord. Ouais. Après, tu mets des Vanquish, ouais, ouais. Tu mets de légendes Vanquish, les méthodes où j'en passais des meilleurs. Ouais, d'accord. Ça, c'est de l'upgrade, tu vois, qui fait que ta voiture, après, ben. Non, parce que j'ai vu bêtement chez Traxxas, tu peux aussi acheter les. Comment on appelle ça maintenant, les purées. Je suis nul en crawler, moi. Les portiques. Les portiques en bronze ou en. Enfin, je sais pas. En laiton. Et les gars, est-ce qu'on m'entend, Sébastien, Cédric? Il y a des questions. Les gars, regardez un peu le chat. Il va falloir que vous expliquiez un peu plus parce que là, il y en a qui sont en train de dire Je comprends rien. C'est ma faute, Tony. Je les ai lancés. Mais moi je trouve ça intéressant. Mais c'est vrai qu'on est parti sur un sujet qui est de la RC, de la voiture. Donc je valide à 100%. Par contre, n'hésitez pas à détailler un peu parce que pour vous c'est votre truc. Mais a priori, il y en a plein qui comprennent rien de ce que vous parlez. Ben voilà. Et alors les gars, faites un petit cours de crawler basique à tout le monde, comme ça on... Et déjà la définition, parce qu'il y a des gens, ils savent même pas ce que c'est que crawler. Écoute, je vais répondre. C'est pas évident, vas-y, je te laisse faire. Un crawler est tout simplement un véhicule à l'échelle 1/10 pour la grande majorité d'entre eux. Ça se décline jusqu'à l'échelle 1/24, voire encore plus petit. Et que c'est un véhicule de franchissement, donc un véhicule où on va partir, je prends un simple exemple, en balade en forêt, par exemple, sur des tracks. Alors, des fois, des tracks qui sont dessinés par des organisateurs, parce qu'il y a aussi
Il y a aussi pas mal de groupes en France qui font, qui organisent des événements. Donc, je peux citer le Modèle Festival à Saint-Cyr, dans le 07. Je peux citer la Lutz en Alsace. Je peux citer plein d'événements. Et en fait, ces événements regroupent des pilotes au même titre qu'on pourrait avoir une rencontre de TT1 8e, de TT1 10e, de Tamiya Truck, de DTM 1 10e et autres. Bref, de RC. Et donc, ces véhicules ne sont là que pour... Alors, ils sont proches de la réalité en termes de carrosserie et d'intérieur de la voiture. On est très proche de l'échelle 1, dans le détail, pour ceux qui sont vraiment puristes. Et puis après, on s'amuse à franchir. Alors, il y a des... On franchit des ponts de singes, on franchit des zones de rochers, on franchit des gués avec de l'eau. C'est ni plus ni moins qu'une grosse rencontre multimarque de passionnés de véhicules. C'est un peu comme le Camel Trophy, en fait. Ouais, c'est un peu comme le Camel Trophy. On est tous, excusez-moi l'expression, QAQ, et on suit, et puis on suit une route, et chacun essaie de la franchir du mieux qu'il peut, sans se retourner, comme dans la réalité. On a des treuils, on a des éclairages, on a quoi d'autre. Il y en a qui font de la fumée, il y en a qui ont les bruits de moteur, il y en a qui ont... Voilà. Ah, moi, j'ai relevé un truc. Hein, on est QAQ, il faut franchir des gays. Hein, quand même. En fait, le crawler, c'est un peu la discipline, non, comme le trial moto, quoi. Ouais, on va dire ça comme ça, ouais. Ouais, mais non, si vous fouinez, ça peut être de la balade, ça peut être, tu peux le faire dans tous les domaines, quoi. C'est la montage. Tu peux le faire en solo, tu peux le faire en famille, tu peux le faire entre amis, tu peux le faire, voilà. Voilà, c'est un peu l'avantage du crawler. Tu peux faire ton circuit chez toi quand t'as de la place. Aussi. Il y en a beaucoup qui l'ont fait pendant le confinement. On a vu de sacrées vidéos sur les intérieurs de crawler, c'était sympa. Mais c'est quand même une grosse communauté, hein, dans la RC, le crawler. Par contre, Seb, ouais, ça serait bien si tu pouvais nous mettre le lien du gars là qui fait qui roule ses 200 km là avec son crawler. Ah, Trek RC. Attends. Ouais, c'est sur YouTube ou sur Facebook? Facebook. Sur Facebook, c'est... Attends, je te le postais dans le chat. La chaîne, c'est... Je le mets tout de suite. Tac. Mais je pense que tu le connais, le gars. C'est posté ou pas? Et si j'ai bien suivi, il travaille avec Obitech. C'est ça. Ouais, je le suis parce que c'est bon délire. J'ai un CRX aussi, donc on connaît les deux bestiaux. Et on a SebRC59 qui avait posé une question, vous avez pas vu. Il demandait quel est le budget pour faire du crawler. Si tu veux démarrer à 250€, je dirais tu peux déjà faire avec une petite machine de base, quoi. Après si tu l'upgrades avec des pots en métal, avec des jantes en métal, avec un combo un peu plus... Voilà, ben, c'est pareil que les autres disciplines. Après, deux boîtes, on a des choses très très correctes qui te permettront de te faire plaisir. De te faire plaisir. Hein, il y a aussi des marques comme FTX, hein, qui sont distribuées d'ailleurs par Sébastien Wartel. Qui sont des produits d'entrée de gamme, mais qui sont très très corrects. Et après, comme il dit Eric, 250-300€, t'as quelque chose. Hein. Ouais, déjà, tu peux démarrer, quoi. Ouais. Voir si ça te plaît. Ouais, c'est bien. Après, t'en as 700€. Ah bah après tu peux aller plus haut quand tu l'upgrades tout bordel. Moi je vois, j'en ai un gros que j'ai monté, un châssis de Terris 4 que j'ai monté en cage métal. Je pense que je suis plus près des 1200€. Hein. C'est ça. Après c'est comme sur toutes les voitures, on les upgrade à notre sauce et le budget il est limité. Hein. Ouais. Et voilà, moi j'en ai une à la maison, qui est un peu en stand-by d'ailleurs, mais dont je dois être un des seuls possesseurs de cette charge en Europe maintenant. Il y en a pour pas loin de 3000€. Ouais, ça m'étonne pas. Voilà. Ouais.
Je vous ai mis le lien direct Facebook, là, j'ai trouvé dessus, là. Le gars, il a fait 176 km, là, il y a 35 minutes, là. La loot, j'en ai encore un rouleau d'avance. Mais je sais pas combien t'en as en stock, mais je peux t'en prendre au moins 3 rouleaux. Tu te parlais quoi comme rouleau? Il me parle avec CBRC 59. Non, la loutre. Quoi, des rouleaux de PQ? Avec la loutre. Ouais. Monsieur la loutre, pour info, il vend le fameux scotch que je mets pour protéger quand on m'achète une peinture de carreau. Je mets un scotch très léger en aluminium et en fibre de verre qui est spécifique et... Et je l'achète chez La Loutre RC Shop. Blot RC Shop. Ah, moi je croyais que c'était du scotch avec un certain âge. Du scotch d'un certain âge. Oh là. Oui, du scotch avec quelques années d'âge. C'est l'heure de l'apéro. Lors d'RC Aventure, ouais, ta Jeep rock ou bien 6ème, oui, on peut la mettre dans la catégorie crawler, mais je dirais plus avec une finition scale. Je vois très bien ce que c'est, elle est magnifique cette Jeep. Ah, le rock ou bien, ouais. Ouais, il y a plein de versions qui ont été faites aussi sur AliExpress. Ah, ouais. Donc, je l'ai vu tourner à la JS Scale Experience en septembre de l'année dernière. Et franchement, en comportement, j'étais vachement bluffé. JSKL Experience d'ailleurs, qui est un des événements en France. J'en ai déjà entendu parler, ouais, il paraît que c'est du lourd. Hein. Du très très lourd. Et c'est bientôt d'ailleurs, pour mes amis de JSKL, qui ont une boutique, hein, JSKL, c'est des Français fous de scale en particulier, ils font des réalisations... plus que proche de la réalité, Range Rover, Camel Trophy, j'en passais des meilleurs, et qui ont peut-être pas depuis l'année dernière, mais au moins depuis 2 ans. Moi j'y suis allé l'année dernière, là ils la refont le 5 et 6 juin 2021, bien sûr avec toutes les normes Covid. Je crois même qu'ils ont pris des dispositions pour mettre des tests pour les futurs, ceux qui n'auraient pas eu le vaccin ou qui n'auraient pas fait de test pour les pilotes. Et donc, ils font un super événement à Cattenom, en Moselle, sur un terrain qui normalement accueille des 4x4 à l'échelle 1. Donc, tu as possibilité de rouler avec des scales et des crawlers durant 2 jours et demi. Tu as également la possibilité de faire des baptêmes en 4x4 à l'échelle 1. Et la petite particularité de cette JSKL Experience, la JSE, c'est qu'ils organisent un Camel Trophy. Et pour l'avoir vécu l'année dernière, c'est le feu. C'est-à-dire que ce sont tous des véhicules donc à l'étiquette du Camel Trophy, donc avec le jaune que vous connaissez tous, mais qui sont des réplicas à l'échelle 1 dixième, des véhicules à l'échelle 1. Mais vraiment, 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 quoi. Et tu ne peux pas t'inscrire au Camel Trophy si ton véhicule ne remplit pas les conditions du Camel Trophy. Donc tu le fais soit en solo, soit par équipe de 3. Et c'est pareil, par équipe de 3, c'est tous dans la même galère. S'il y a un collègue qui se retourne, c'est l'autre Camel qui doit venir le rechercher, et ainsi de suite. Et ils font tout un parcours comme ça le samedi, où t'as tout, t'as des Range Rover, des Defender avec... comment je veux dire,
un peu en mode pick-up, mais vraiment dans l'esprit du Camel Trophy. C'est un vrai Camel Trophy. Mais là, tu es en scale niveau 1, je crois. C'est ça. Parce qu'après, il y a plusieurs catégories dans les gammes. C'est assez compliqué à expliquer. Bah, c'est la taille des pneus. C'est ouais, c'est ça. C'est, ouais, c'est vrai. Ouais, parce que scale niveau 1, je crois que ça doit être une reproduction de l'échelle 1. C'est ça. Non, bah tu viens. C'est ça. Après, scale numéro 2, tu as le droit de faire certaines modifications, les pare-chocs, la hauteur et la largeur des roues, je crois. Ouais. Puis après, tu as 3 et 4, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Après, pour ceux qui, voilà, ceux qui ont des questions... sur tout ça, par exemple la JS Scale, allez faire un tour sur YouTube. Rémi, vous allez trouver plein de petites. Il y a RC Crawler Family aussi, il a une bonne petite chaîne et présente de jolis bébés. Hein. Je sais pas si vous connaissez. Mais c'est pas toi, Cédric, la chaîne? Pardon? Ah non, c'est pas toi la chaîne RC Crawler Family. Non, bah c'est un collègue à moi, il est à côté, donc... Non, mais c'est juste, je suis abonné, mais d'un coup, j'ai eu un doute avec toi, excuse-moi. C'est pas grave. On en profite pour faire de la publicité aux amis, hein. Ah ouais, bah écoute, y a pas de souci, mais je suis déjà abonné, mais c'est sympa aussi. Il a présenté deux de mes engins, normalement, sur sa chaîne. Bien l'araignée et la cage. Puis ben là, ce que Matt n'a pas dit, ce que M. BRZ n'a pas dit, c'est qu'il a présenté aussi sa dernière acquisition. Il s'est mis au crawler aussi. Ah bon? Ah, BRZ? Ouais. D'accord. TRX4? Ah ben, je vous laisserai découvrir. Je vous laisserai découvrir ce qu'il a. Ah, tu fais un teaser. Ah, là. Je vous laisse aller voir sur la chaîne d'RC Crawler Family. Il l'a fait présenter à RC Crawler Family. Alors j'irai voir, ouais, j'ai les notifications, j'irai voir. Ouais. Avec une peinture by BRZ. Ça marche. Bon, Tony, prochain crawler. Ah bah, j'ai déjà proposé à Seb un jour ou l'autre de faire une petite vidéo sur cette. J'avoue. Mais il y a pas mal de crawlers en kit, c'est une fois ça intéresse quelqu'un, de parenthèse. Hein. Pour Tony. Mais Tony, si je me rappelle bien, tu t'étais pas essayé au mini crawler chez toi durant le premier confinement? Si, je l'ai toujours. Mon fils a des fois rejoué un petit peu avec. Ça aussi, il existe des challenges en 24e. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Mais en Suisse, ils sont très actifs, hein, Tamia. Ouais, je connais pas du tout les clubs suisses. Alors, si tu peux tu connais, toi? De nom, je me rappelle plus là maintenant tout de suite, mais je sais que moi j'ai quelques copains, quelques bons copains frontaliers et quelques copains suisses. Il y a un challenge en Suisse. Il y a un challenge en Suisse qui est organisé par. Attends, je peux trouver. Te le dire tout de suite. J'ai plus le nom en tête. Crawler. C'est un club d'ailleurs. Swiss Crawler. Alors attends, c'est Swiss Crawler. Ouais. Mais je sais qu'il y en a un autre avec un nom. Enfin, Swiss Crawler, je pense que c'est déjà un des groupes, un des trucs qui porte bien le mouvement chez toi, quoi. Ouais. C'est ça, c'est le Crawler Suisse Amical, CSA. CFA, d'accord. Crawler ils sont très très bons. D'accord. Tu les retrouveras sur Facebook. Ouais, bah, j'irai voir, ouais. Écoute, ouais, bah pourquoi pas, parce que j'en ai aussi un, donc plus je peux aller à des endroits, tu vois, j'ai mes voitures de piste, là, j'ai peut-être allé pouvoir, à partir de cet été, les utiliser une fois sur une piste, tu vois. Alors, le crawler en équipe, c'est sympa, parce que le crawler tout seul, c'est
c'est sympa aussi, mais c'est comme toute pratique, quoi. On aime bien être ensemble, quoi. Ouais, c'est mieux, mais moi j'aime bien aussi. Enfin, moi j'ai besoin aussi de m'entraîner seul parce que quand je cours avec mon véhicule, tu comprendras bien que c'est mon véhicule et ma course à pied. Donc, ouais, bah, j'ai deux petits spots là, deux petits spots à deux encablures de chez moi. Et des fois, je m'en vais courir 10 km. Les gens me prennent pour un fou d'ailleurs. Ouais. Bah oui, je suis en une course à pied avec une radio dans une main en pilotant. Donc, les gaz avec l'index et la direction avec le pouce. Et je cours. Ouais. Et devant moi, t'as le crawler. T'as la radio que tu peux tourner avec le pouce. Ben. J'ai fait faire une petite pièce en 3D là. Ah ouais, parce que t'as les sur les spectrums, ils ont fait la ruguette, je sais pas quoi. La rugged. Ouais, j'ai vu ce petit truc, ouais, mais bon. Là, j'ai fait une petite pièce en 3D là, ça me va très très bien. Toi, tu utilises quoi comme radio en crawler? Bah c'est une Spectrum, une vieille Spectrum. Ah, une Spectrum. Ouais. Une vieille Spectrum. Ouais, moi, non, mais même maintenant sur les radios, tu arrives à adapter des petites pièces pour de pouvoir ou de l'impression 3D pour pouvoir les conduire d'une main. Ouais. C'est ça que j'ai, moi. J'ai ça, moi. Simple à faire. Je l'ai, cette pièce. J'en ai même deux différents. Ouais, moi j'ai une imprimante 3D, j'ai dit qu'il faudra que je la ressorte parce qu'il y a de plus en plus de pièces comme ça pour RC, c'est intéressant. Quoi. Ouais. Alors je vous coupe deux secondes, je réponds à la question, c'est quoi comme carrosserie? Nous demande BRZ RC Passion, la carrosserie, il y en a deux en cours ce soir. Donc là je suis sur la carrosserie de Eric Einstein, c'est une carrosserie, je ne sais pas expliquer. C'est un espèce de pick-up, un 8e, et... c'est pour son proto, il fait un proto speed, comment on dit? Speedrun. Tamia, aide-moi. Speedrun. Speedrun. Voilà. Donc, monsieur veut un proto speedrun et il m'a envoyé un design qui lui plaisait, avec essentiellement du jaune, et puis des espèces de traînées rouges sur les côtés. Et il voulait un damier. Alors, comme il voulait un damier, moi, je lui ai fait un drapeau, je suis en cours, il va bientôt être fini après, là. Voilà. Et puis la deuxième carreau, c'est pour ça que d'ailleurs je crois qu'on est parti sur le thème crawler. Tony, il paraît qu'on t'entend pas. Mais si, mais quand je monte, vous dites qu'on entend ma ventilation, ça me saoule. Et donc la deuxième carreau, c'est du crawler. Voilà. Ok. Et donc il y a même les sièges. Donc là, on m'a demandé des couleurs très simples, unies, il n'y a pas d'effet. Voilà, monsieur, dame. Merci, Tony. Ouais, en tout cas, c'est un sacré monde, le monde du crawler. Hein. Il y en a des modèles. Hein. Purée. Il y a le choix. Ouais. Il y a du choix. Il y a de quoi contenter tout le monde. Eu de très bons retours sur le Sherpa. Oui, c'est enfin un nouveau truc, Absima, un truc un peu plus gros là. Je sais pas, je sais plus le nom, mais ah, il y a un nouveau crawler chez eux. Ouais, mais les plus gros, l'inconvénient c'est que souvent au niveau de l'empattement, t'es plus large, t'as un petit peu de mal à suivre les autres quand t'es à plusieurs. Ouais, non, après je dis. Parce que j'ai le summit et le problème c'est qu'il passe trop de partout, mais tu peux pas passer à des endroits où les crawlers un dixième y passent. Ouais. Et t'en penses quoi des sirop motrices? Je l'ai déjà vu rouler, c'est pas mal, mais c'est pas ce que je cherche moi. Mais c'est autorisé. Mais c'est un très bon produit. C'est autorisé en course ou comme ça ou pas du tout? Sure. On peut mélanger les deux. Oui, après c'est plaisir de rouler ensemble là surtout. Non, mais après, en compétition exemple, peut-être, je sais pas. Non, mais si tu fais une compétition crawler, moi je connais pas, tu peux rouler un TRX 6, un TRX 4, il y a aussi Axial qui fait un 6 roues moteur, tu peux tout. Ça peut être dans la même catégorie ou bien c'est des catégories à part? L'expérience dans les vrais, on va dire les manches. Après tu dis compétition, c'est un grand mot. Hein. Ouais, bah, j'en sais rien. C'est plus challenge, donc il y a une
une mini compétition, mais ouais, c'est pas, il y a pas un calendrier comme en T1 8ème où t'as de l'open, de la promo, du CF et ceci cela par exemple, tu vois. Non non, mais alors en challenge, voilà, on va dire ça. J'en ai rarement vu rouler en challenge, parce que t'as quand même, on a quand même des prérequis, on a des catégories, hein, donc. On a des catégories à qu'on essaie de respecter. T'as le... Surtout par rapport à la taille des pneus. Cédric, me... arrête-moi si je me trompe. C'est t'as, du A9, t'as du A9, t'as du 2-2. En taille de pneus, tu vois la taille de pneus. Comme moi, ouais. Du... moi sur mes t'as du A55 aussi. Du A55 aussi. Donc, le A55, c'est... Ouais, c'est, ouais, c'est pour l'escale. C'est ça. J'ai des mecs qui ont fait des 12 heures en catégorie A55, tu vois, par exemple. Moi, j'étais en catégorie A9. Donc c'est des pneus, voilà, des pneus, on va dire les pneus classiques que tu peux retrouver sur un TRX4 par exemple. Ouais. Et après t'as les pneus, les 2-2, donc ceux qui sont des boudins un peu plus conséquents. Et je pense que pour des balades t'auras pas de problème de rouler avec un sirop motrice, on ne dira jamais non. Par contre sur des manches un peu plus qui restent officieuses mais qui dans le milieu sont officielles, je pense pas que tu puisses. Ils sont passé un temps, ils étaient en train de parler de faire une catégorie camion 6-6-8-8. Alors je sais si c'est toujours à jour. Je sais pas, parce j'ai que pas ça a évolué, donc j'en avais entendu parler il y a 2 ans et après j'en ai plus entendu parler. Ah, d'accord. Mais plus basé sur le scale au niveau réaliste. C'est ça. Ouais, enfin bref, ça il y a plein de changements qui vont s'opérer, j'imagine. Mais après, dans toutes les concentrations, c'est un mélange de toutes les catégories, toutes les gammes, voilà. La majorité du temps. Oui, après, si tu fais des festivals, là, je sais plus, j'ai vu ça, là, à Saint-Cyr, c'est ça? Entre oui. Entre autres. Ouais, à Saint-Cyr, il y a du mélange de tout. Voilà, mais ça, c'est plus une amicale, une grosse amicale, je veux dire. Non? Oui. Oui. Puis c'est un partage de notre expérience, et chacun a son montage à sa façon, quoi. Ouais. Mais disons, moi qui débute dans le crawler et qui fait beaucoup d'autres disciplines, enfin qui débute dans toutes les disciplines sans faire vraiment une précise, un TRX4, c'est pas forcément le moteur qu'il faudrait changer tout de suite, alors il faudrait changer d'autres choses. La première chose sur le TRX4, le gros défaut, c'est les micro-cerveaux et le cerveau si t'as mal réglé les butées, et après le moteur. D'accord, donc prendre des cerveaux, des mini-cerveaux de marque. Enfin, voilà. Moi je les prends chez AliExpress, la marque TR4, ils vont très bien. D'accord. Ils sont pas trop chers. Et cerveau de direction? Cerveau de direction, moi je suis chez JX en 40 kg et ça va bien. 40 kg. Je m'en plains pas. 40 kg pour un TRX4. Ouais. Mais j'ai des lestes, j'ai 100 grammes par roue moi. Ah ouais, après faut les tourner. Ouais, allez, non mais moi j'ai lesté les roues. J'ai lesté les roues et j'ai mis les lestes en laiton. Et après, il faut tourner les roues, quoi. Ouais, ok. Ouais, non, je vais pas encore en arriver là, mais je dis pour 2-3 jours. Mais tu mets déjà 20, tu mets entre 25 et 30 kilos, déjà, ça suffit largement. Ouais. Et puis, puisque je vous ai sous la main, c'est... Puis après, le... Est-ce que le bec, voilà, le bec du fusion ou du axe, c'est du 7.4 ou bien du 4 volts ou bien pas? Mais ben... sur le fusion, c'est aussi bien en 6 qu'en 7.4. D'accord. Mais par contre, attention, si tu gardes les micro-cerveaux Traxxas, n'acceptent pas 7.4. Ouais, c'est ce que je pensais. Ouais. Faut mettre c'est le gros problème des micro-cerveaux Traxxas, c'est que tu les grilles à cause de ça souvent. Et que t'es mal réglé les butées. Messieurs, dames, bonjour, bonjour à tout le monde. Salut le chat, salut tout le monde. Salut Racer. Racer 10. Salut toi. Racer. Bienvenue. Merci bien Anthony. D'accord, donc c'est un petit peu... Bon, faut les changer une fois qu'ils ont cramé en fait. C'est ce que j'ai fait. Ouais. En toute honnêteté. Non mais si tu laisses le combo d'ori... Ouais, si tu mets le combo B-Wing en laissant le bec à 6 volts, y a pas de soucis. T'as pas de soucis. T'as pas de problème du tout. Voilà, à peu près, ils font une radio quoi, 6 voix, 4, 6 voix, hein. Tu veux pas 5. Garder la radio 5, d'accord. Tu veux pas 5, garder 5. La radio d'origine. Ouais. Ok.
Moi, je crois que la DX5, la DX5C, elle a 5 fois. Je sais pas, je pourrais oui, pas oui, dire. Parce que dessus, j'ai le mode. J'ai un mode pour avoir un mode crawler, je pense que c'est, mais j'ai un mode crawler. Oui, parce que c'est la même radio que la Rugged. Donc elle est... Fais attention parce que des fois le mode crawler, moi je vois j'ai une Samoa pour l'araignée, le mode crawler te permet de gérer différemment tes gaz et de, comment dire, pour les crawlers qui ont une direction arrière. Ouais. Donc ce mode là souvent il te permet de gérer ton train arrière, okay, en directionnel. Ou alors, si t'as pas direction à l'arrière, de bloquer ton pont aussi, de bloquer ton pont à l'arrière et... J'allais venir au dig, excuse-moi. Comme ils ont mis ça, comme sur le nouvel axial, là. Comme sur le nouvel axial. Ça, c'est... Ouais. En gros. Mais la DX5, elle a 5 voies, oui. Donc, je pourrais la mettre dessus, si je veux. Il me semble. Je réfléchis, mais... Bah, c'est obligatoire 5 voix ou 4 voix, ça suffit pour un crawler? Bah, là, le Terris 4, le gros problème que t'as, c'est que t'as une voix pour la direction, une voix pour les gaz, une voix pour le blocage du pont avant, une voix pour le blocage du pont arrière et une voix pour la boîte de vitesse. Ah oui, la boîte, ouais, c'est ça. Et donc, moi, je vois sur le dernier, bah, la boîte de vitesse, j'ai laissé en deuxième avec le Fusion 1800 kV et je roule très bien sans passer les vitesses, quoi. D'accord, ouais. Mais bon, si j'ai 5 voix, c'est bon, mais logiquement, la DX5, j'ai jamais parti avec ces radios. Parce que sinon, j'ai une 5 voix, mais une MT44, hein, ça va pas du tout. Après, ça peut suffire. Oui, non, mais la traxeuse d'origine. Pas... Vous avez essayé ces modules Bluetooth, télémétrie et compagnie, ou jamais? T'as tout à fait raison, je suis en train de regarder la DX5C, elle a 5 voix. Ah bah voilà, ouais, bah je viens de tomber sur le manuel. Ouais. Je me suis permis. Merci, c'est gentil. Oh, regarde. Ouais, ouais. C'est juste. Et là, ouais. Enfin, sur les récepteurs qui sont fournis avec, il y a direction gaz et puis t'as 4 auxiliaires. Ouais. Ouais, donc là tu peux brancher facilement les 5 voies qu'il faut dessus. Ouais, donc c'est bon, ouais. Après, bon bah là... Ah, que ça, c'est pas mal. Mais après, je me demandais si vous avez vu, là, ils ont sorti, je sais pas, une télémétrie sur le X4 avec le. Pour savoir le dévers de ton véhicule. C'est pas. Ça sert à rien, ça, ou bien. C'est gadget. Je d'accord. L'ai. Tu l'as? Je l'ai, là. Mais c'est gadget. Après, ça tombe de la batterie sur ton téléphone et ça tombe de la batterie sur ta radio. Je vais juste leur remercier. Bah ouais, écoute. Voilà. Non, non, mais. Bah... J'ai de l'expérience dans ce modèle-là, donc c'est pour ça que je peux me permettre. Ouais, non, je répondais juste à leur dire, excuse-moi. Jean-Luc 80 qui demandait, je voudrais un scale de la taille de mon X-Max. À ma connaissance, ça n'existe pas. Enfin, après, je peux me tromper, mais... Ouais, je crois que c'est un 8e, les plus gros crawlers ou scales. Moi, je mélange les deux, tu vois. Ouais, du 1-6. Un 6 même, ouais. Mais un scale de la taille d'un X-Max, c'est énorme déjà en gabarit quand même. Ouais. Ah mais après, si tu veux, tu peux même monter. Si tu trouves les éléments pour le faire toi-même, tu fais ce que tu veux. Hein. Oui. Ah bah ouais. Ah ouais, après c'est du homemade, ouais, bien sûr, c'est du... Ouais. Voilà. Ouais. Ouais, ils ont sorti des nouveautés, là, le Bronco avec les... Il n'y a plus de clip carrosserie, là, je sais pas quoi, ils ont maintenant, tu clips la carrosserie directement sur le châssis, quoi. C'est juste, mais... Ils ont changé aussi quelque chose au châssis. Ouais, ça, j'ai pas attendu que Traxxas le fasse, hein, sur mon châssis d'endurance, j'ai claqué des aimants, j'avais trouvé des aimants, mais des aimants bien comme il faut. J'ai mis, qui passe dans les plots de carrosserie. Tac, j'ai mis un aimant, enfin plus moins, un aimant. Ah ouais. Et puis paf, j'ai tout. Hein. Pas besoin de. Il y en a même chez RC4. Mais là, c'est des carrosseries en ABS, pas en Lexan.
qui modifie pour pas avoir, parce que cher C4 c'est compliqué une fois que tu as vissé les quatre vis de part et d'autre, on va dire de la cabine de ton scale. Si tu dois commencer à faire de la mécanique en urgence, tu dois dévisser ces quatre vis. Et donc il y en a qui ont chinté ça en perçant un peu plus le filetage, en perçant un peu plus le filetage des quatre supports de carreaux, en mettant des vis plus longues, et donc ils écartent un peu l'ABS pour. Il y a plein de combines, après c'est. Chacun il fait. Voilà. Et c'est ça justement le côté intéressant du crawler, c'est que quand tu es en réunion avec tes copains et avec des internationaux en particulier, bien souvent des gens que tu rencontres pas tous les jours, eh ben, t'en apprends plein en fait. Là tu t'as fait ça, tu dis ah ouais putain, ben, c'est pas mal, ça il a fait ça, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Et donc tu rentres le soir chez toi, tu dis ben t'as appris plein de choses, et donc tu essayes, t'as retenu des choses, t'expérimentes. Il y a une aussi, dans le crawler et le scale, t'as aussi une part de. Comment je veux dire, de créativité. De partage, mais de créativité, de recherche, de voilà, de il y en a, ils viennent sur les terrains. C'est une voiture que tu trouveras jamais dans le commerce. Le mec est parti de deux ponts de, je dis n'importe quoi, deux ponts de Traxas. Il s'est fait une cage lui-même, il a fait son support moteur lui-même, il a pris une transmission de SCX10, il y a mis des cardans qui sont plus des cardans comment je veux dire, conventionnels, et le truc il marche du feu de Dieu, tu vois. Mais après ça c'est les mecs qui sont un gros atelier chez eux, qui ont du temps, qui sont un peu techniquement ingénieux, qui cherchent sans cesse le petit truc. J'en connais plein des comme ça. Mais ils ont de l'or dans les doigts. Hein. Moi, ces mecs-là, je les respecte parce qu'ils ont de l'or dans les doigts. Quoi. Ils ont vraiment de l'or dans les doigts. Après, c'est sûr que comme tout modéliste, c'est intéressant d'avoir ces idées, de concevoir des petites choses pour ces véhicules. C'est vrai que ça se perd un peu, malheureusement, maintenant, avec... Dans le crawler, tu as beaucoup de partage. Hein. Tu as encore beaucoup de partage. Non, mais je dis, je parle du partage, mais maintenant, tu vois de moins en moins des gens qui créent leurs options ou comme ça, quoi. Pas, oui, non, un, ça, d'accord. T'achètes un terrain. Là, moi, j'ai un ami à côté de chez moi, il s'est amusé à faire son attelage, ses manies, ça tourne à 13 heures. Ah ouais, d'accord. Ouais. Il se fait ses pièces lui-même en aluminium ou en métal. Ouais. Ah ouais, mais ça c'est plus pour le. Oui, ouais, d'accord, ok, ouais. Moi j'ai un bon ami à moi qui est autrichien. Son blaze sur Insta c'est Yo-Yo da Pilote, de Pilote. Et Yo-Yo en fait il fait des araignées. Il conçoit ses voitures en impression 3D, de l'axe en fait. Allez voir, c'est. C'est magnifique. Yo-Yo de Pilote. C'est un mec en or. Voilà, le mec qui fait des trucs simplement. Il y en a plein, je pourrais vous en citer plein. Il y a ceux qui ont créé le Moa aussi. C'est des Français, si je dis pas de bêtises. Non, pas le Moa. Toi, tu parles du Ventru, tu parles de Psychopathe. Oui. Psychopathe crawler. Ouais. Pas de bas. Pat. Ouais. Mais Pat, c'est un Furious, lui. C'est... J'ai eu l'occasion de le voir une fois, il est impressionnant. Il vend du châssis, lui, il crée de la pièce et tout. Hein, c'est... Ah oui, non, mais lui, c'est un créateur. Hein. Oui, oui, le Ventru, entre autres. Ouais, il fait du 2-2, du MOA 2-2, il fait du. Je crois qu'il a créé un mini MOA aussi. Au début qui créait, c'était vraiment impressionnant. Bah là, moi je suis toujours, hein, lui. C'est de l'orfèvrerie, quoi. C'est puissant. C'est... Ouais. D'ailleurs, il est connu et reconnu à l'échelle internationale. Il a fait les championnats du monde de crawler, il a fait les championnats d'Europe. Il y a un bon petit groupe. Ouais, ça c'est un monde. Ouais. D'ailleurs, on l'aura peut-être. Mais ça, c'est pas encore info ou intox. Enfin, c'est pas encore un scoop, mais on l'aura peut-être en 2000. Normalement, ça devait faire cette année, mais à mon avis, c'est en 2022. Il marche tous les deux ans. Et un coup, c'est les mondiaux, un coup, c'est les Europes. Et en 2022, on risquerait d'avoir les championnats du monde de crawler en France. Ça serait bien. Affaire à suivre sur le spot, mais il se pourrait qu'on les accueille en France en 2022. Ah ouais, bah ça peut être chouette. Ouais, très très belle fête. Ah et oui, donc,
psychopathe là, pas de bas là, tu vas le retrouver là-bas forcément parce que. Alors, ce qui est chouette au crawler par rapport aux voitures de piste ou même TT, c'est que tu peux vraiment faire des pistes un peu. T'as un vaste choix de terrain quoi. Quand même, de spot ou comme ça, tu peux vite aller t'amuser quelque part avec ça. Prends ta voiture, tu la mets dans le coffre, tu prends les acquis, tu prends un sac avec un peu de gisserie, tes pinces, enfin le strict minimum vital pour réparer un peu sur le terrain si ça, voilà. Et tu pars dans une forêt, t'as vite fait de trouver un petit chemin avec quelques racines, quelques trucs, de quoi t'amuser quoi. Après il y a des spots qui sont, voilà, c'est un peu comme le surf quoi, tu vois, t'as Osgore, t'as ceci, t'as cela. Ben... Non, bien sûr, non, mais je parle en général quoi. Mais t'as vite fait dans tous les pays, t'as vite fait de te trouver un petit coin de forêt ou une petite zone rocailleuse pour t'amuser. Dès que tu te balades, de toute façon, après tu trouves des petits coins. Hein. C'est comme ça honnêtement que j'arrive à faire sortir les enfants de la maison. C'est ça. Ben, pour revenir à ça avec Trek RC, ce qu'il est en train de faire. Moi, il y a quelques années de ça, on est en 2021, il y a 3-4 ans de ça. Aux États-Unis, en fait, ils font des 5 km, d'accord ? C'est des courses. Hein, elles ont été un peu réduites avec le Covid, hein, parce que forcément, ils ont été touchés aussi. Donc, c'est des manches organisées de 5 km. Donc là, tu cours ou tu marches, peu importe, tu fais ce que tu veux, ou tu alternes, course, marche à pied avec ton véhicule, pour 5 km, d'accord ? Et moi, j'ai voulu exporter et vendre le concept parce qu'en fait, il est couplé avec une marque de running qui fait ça. Et en fait, eux, ils l'ont fait pour pouvoir permettre, comme il y a un peu d'obésité aux États-Unis, et que c'est difficile de faire courir un enfant pour rien, entre guillemets. Par contre, faire courir un enfant avec une RC, tu vois, l'enfant, il va avoir un peu plus d'intérêt d'aller se dire, ah bah attends, je lui file une voiture, une radio, allez, je vais bouger un peu. En fait, moi, je voulais expatrier un peu ça ici en France et au travers de certains événements, créer... je prends l'exemple du modèle festival, le temps du week-end, sur l'événement, tu as une boucle qui peut faire aller, on va dire, 2-3 km. Peu importe qui est là, âgé, pas âgé, petit, pas petit, et je mets à disposition, alors bien sûr, derrière, il faut faire un peu de lobbying, chercher un peu de sponsor, je mets à disposition, par exemple, j'avais à ma disposition 10 tarsis, totalement identiques, de boîtes, en l'occurrence, ça aurait été par exemple des bombers de chez Axial. Et tu fais le truc, moi je te fais un plateau avec une manche, et puis tu le fais comme tu veux, soit tu le sors en rando, tu fais tes 5 km de rando, soit tu le fais en challenge, tu le fais en courant, soit tu le fais en alternance marche pour ta pied. Et j'étais allé jusqu'à rencontrer les mecs de la marque de pompe à Chamonix, lors de l'Ultra Trail du Mont Blanc, pour leur vendre le business. Ils étaient super accrocheurs, et je suis encore en contact avec eux aux États-Unis parce que je lâche rien par rapport à ça. Pour ça, quand j'ai vu Trek RC, en histoire de randonnée avec le scale, je me suis dit, purée, mais lui et moi, on est raccord, il a compris qu'il y avait un créneau à développer. Et ils m'ont botté en touche parce qu'ils m'ont dit que les budgets Europe et États-Unis étaient. C'est le jour et la nuit. Quoi. Au States, ils peuvent faire tout et n'importe quoi, que nous, eux, ils vont juste se contenter de vendre des pompes et voilà. Ouais. Donc c'est un peu tombé à l'eau. C'est un peu tombé à l'eau, mais je ne désespère pas entre guillemets de pouvoir pourquoi pas un jour créer un événement dans l'événement autour de la course à pied et la RC. Bah ouais, c'est une bonne initiative. Ouais. Ouais. Joli projet. Maintenant, dans tous les cas, ça pourrait marcher à 100%. Bien sûr. Et j'avais déjà essayé. T'as jamais fait de Recon, toi, Recon G6, Cédric? Non. Voilà, on a eu la chance d'avoir une Recon G6 deux fois en Belgique, hein, 2017 et 2019. Donc la Recon G6, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une grande messe organisée aux États-Unis, donc il vient encore une fois des États-Unis, et qui s'est exportée en Europe depuis quelques années. Il y en a eu en Pologne, en Allemagne, en Portugal. On n'a pas eu en France, malheureusement, mais ça devait se faire. Pour l'instant, avec le Covid, ça ne se fera pas non plus. Et donc, moi, j'en ai parlé aussi autour de la Recon G6 de faire ce type d'événement. Parce que faire de l'endurance pendant 12 heures, ce n'est pas donné à tout le monde, et tout le monde ne voudra pas faire 12 heures d'endurance. Et voilà, le mec, à un moment, il va me dire, attends, t'es à fou. Par contre, faire 5 km, même si tu les fais à pied, ça te fait une heure, tu vois. 5 km/h, c'est pas... Voilà.
sur une boucle qui reprend toutes les conditions qu'un mec qui pratique du crawler va retrouver. Donc un peu d'eau, un peu de rocher, un peu de côte. Et pour les meilleurs, ils le feront courant. Pour les chenilles, pour les novices, ils le feront marquant. Et pour ceux qui sont un peu plus physiquement prêts, ils le font en alternance par chapelet et course à pied. Et un petit challenge avec un classement. Bien sûr, derrière, tu mets un lot à tout le monde pour faire tout le monde, tu vois. Et puis voilà. Non, mais c'est cool. Quoi, ça. Ouais, il y a pas mal de... C'est vrai que le crawler, c'est vrai que ça peut mettre la balade avec, quoi, ou la randonnée, etc. Ouais. Surtout que l'autonomie, avec des bons accus, un bon moteur, t'en as pas... Je dirais pas la journée, mais une bonne partie, en tout cas. Disons, avec deux packs, en tout cas, je sais pas, en moyenne, un crawler à vitesse standard, en crawler... Tout dépend de comment tu roules, hein. Non, mais en franchissement, disons, uniquement, pas en vite, sans faire le... C'est là où tu consommes le plus. C'est là où tu consommes le plus, c'est quand tu franchis, parce que tu demandes beaucoup d'énergie. Mais disons qu'un... Allez, on prend un exemple, un TRX4 avec un 3... 2S ou 3S? 3S quand même, bien, j'imagine. Ah, moi, je suis en 3. Avec un 5000, on va dire, tu tiens quoi avec un axe ou un... Bah moi, avec mon record avec la cage qui fait 13 kg, avec une 6000 mili en 50C, j'ai fait une balade de 5 heures. Ah bah tu vois... Avec une lipo. Non, balade. Ouais. En mode balade. En mode balade, d'accord. Mais si tu fais ça en mode franchissement, tu... Si tu fais en franchissement, tu fais 3 heures. Ouais, mais c'est déjà... Si t'as deux, t'en as une réserve dans le sac à dos... Bah, Salut Julien. Voilà, tu... Ouais. Tu fais ta balade tranquille. Non, j'ai dit bonsoir Julien. Il y a Julien qui dit bonsoir. Salut Julien. Ouais, bah c'est sympa d'avoir une fois parlé du crawler, Anthony, ça change. Tout à fait. Je vous écoute comme si j'étais à la radio. Radio Tony. Radio Tonique. Voilà. Bon, bah messieurs, moi je vais vous laisser. Mais écoute, Cédric, je vous souhaite une bonne soirée, ça a été un plaisir de partager avec vous. Bah oui, merci de ton intervention, merci des conseils pour tout le monde. N'hésitez pas, ou à moi, ou à RC Crawler Family aussi, ils donnent de bons conseils. Ouais. N'hésitez pas à demander, il n'y a pas de problème, on est là pour partager tous ensemble. D'accord, bah écoute, avec plaisir. Et puis, bah, vu que tu es sur Discord, bah, si j'ai quelque chose aussi, ou bien Sébastien, bah, je peux toujours vous envoyer un petit message privé pour savoir ce que vous en pensez, si je vois quelque chose. Voilà. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Allez, bonne soirée à tous. Merci bonne soirée, merci d'être passé en tout cas. Salut. Avec plaisir. Avec un grand merci. Au revoir. Allez, Tony, je le dis juste ou je le dis faux? Bonsoir, Pierre Deschamps. Bonsoir, Pierre. Deschamps? Ah non, Descamps, pardon. Il n'y a pas de H. Mais je suis comme toi. Je fais de l'humour. T'as vu, il y a beaucoup de monde qui fait de l'humour avec ton étagère. Hein. Ouais, mais je fais même plus attention parce que. Voilà. Moqueur. Ouais, ouais. Entre l'étagère et les paillots, c'était chaud. Ouais, ouais. Mais c'est comme ma lumière. Mais maintenant, elle est plus blanche, ma lumière. Mais ça restera toujours dans les annales, comme on dit. Ah. J'espère que ça fait pas trop mal. Ouais, ça y est, ça parle encore de derrière. Qui a osé dire ça? J'ai pas vu clignoter. C'était non, mais le problème, c'est que c'est souvent comme ça. Quand t'as une première étiquette, t'as du mal à l'enlever. Hein. Anthony. C'est tout le temps Tamia qui parle. Non, mais je parle de la lumière jaune, ça va rester. T'as réussi à l'enlever. T'as mis de la lumière blanche, c'est ça y est. Maintenant, on en parle comme un souvenir. Et mes étagères aussi, ça va rester. Ben, je vous montrerai plus mon atelier. Par contre, il va falloir faire vestir, parce que acheter un chronos pour ton petit parking, c'est chaud. Mais d'accord, mais Stéphane, essaie de comprendre. Je l'ai essayé aujourd'hui pour la première fois. Je voulais tester si tout tenait, si tout allait bien. Puis après, j'irai faire un peu plus loin. Si j'avais fini de l'emmerder, mon petit ami. Oh là là. Le chrono, je le prends, je pars de chez toi. Qu'est-ce que t'as dit, Stéphane? Chez toi, sur le bout de rond, hein, et je saute le talus, je traverse la route et je saute le talus qui est juste dehors. Oui, mais c'était trempe le talus qui était juste à côté, je voulais pas aller le tremper. Toi.
Bon, moi, je vais vous laisser aussi également, les gars. Bah, merci aussi à toi, Seb. Hein, pour, c'est normal. Merci aussi à vous tous. Merci, Toddy. Merci. Comme je dis si bien tout le temps, merci à tous ces acteurs du monde de la RC, que ce soit nous, les passionnés, que ce soit les supports. Bah ouais, c'est bien. Voilà, quel qu'il soit, voilà, c'est... On n'avait pas ça, il y a quelques années, on n'avait pas ça, et depuis quelques temps, là, avec les Discord, enfin, on n'avait pas ça, ça serait mentir. C'était pas fait de la même manière, mais je trouve que depuis quelques temps, alors je ne sais pas si c'était l'effet Covid et tout ça, mais je pense qu'il a pu jouer aussi un petit peu. Bah disons que c'est peut-être le point positif du Covid, hein, c'est peut-être ça. Il nous a un peu, enfin voilà, il nous a... Rapproché différemment peut-être. Voilà, rapproché différemment, il y a des nouveaux supports qui sont créés, qui sont très moteurs au quotidien. Des fois, j'ai envie de dire, il n'y a plus une journée sans un live, il n'y a plus une journée sans une discussion. Bah ouais, bah et puis il y a de plus en plus de petites chaînes RC françaises, suisses, enfin tu vois. C'est ça. Et puis comme je le disais, j'avais déjà parlé que j'avais un gros projet là, RC, qui va peut-être se faire ou pas. On attend encore la réponse d'une mairie. Et s'il se fait, il y aura énormément de terrain et j'espère pouvoir confier la partie crawler, piste crawler, tracé crawler à notre ami Sébastien. Ah super. C'est très gentil de ta part. Tu sais qu'on en a discuté un petit peu, tu sais que effectivement si ça se fait, après ça c'est les décisions qui se prendront, j'espère vite ou pas. Tu pourras compter sur moi au-delà même de la piste crawler. Je sais, parce que le problème, tu es comme moi, tu es passionné de tout. Ah voilà. Bah alors, c'est bien. S'il faut faire, voilà. Et je. Par contre là je pense que je consacrerai du temps parce que indirectement ça sera lié à ma passion, donc ça m'ira très très bien. Je m'impliquerai, on va dire, fortement dans le projet, parce que Tony, tu le vois bien déjà, hein, c'est pas pour te flatter, je te le dis sincèrement, t'es quelqu'un que j'apprécie quand même énormément, voilà, et que on s'est perdu de vue, comme dirait la chanson, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue et on s'est revu de manière totalement improbable. Et qu'on a repartagé des choses ensemble et que voilà. Et que j'ai envie que ça continue, quoi, tout simplement. Bah, quelle belle parole. Ah ouais, je. Ouais, non, mais Tony, il sait, Tony, je vous l'ai déjà dit, Tony, c'était mon président de club. C'était. Le boulodrome de l'an, je le redis encore, la grande course à l'an entêté, il y a quelques années de ça, ça a été, on s'est perdu dessus, ça a été un croisement totalement improbable lors d'un footing à Lille, je m'en rappellerai comme si c'était hier, au Boulevard de la Liberté. Il y avait d'ailleurs un maillot jaune fluorescent, si je me rappelle bien. On s'est re-reperdu dessus. Ensuite, j'ai recroisé Tony, un mariage, Tony, si tu te rappelles bien. Oh, je ne saurais plus lequel. Hein. Ah. À Wasnobach, dans une espèce de grande résidence pour riches, là, tu sais, une espèce de fermette au carré. C'était qui les prénoms des mariés, tu t'en souviens? Oh, moi j'étais là, je ne savais plus ce que je foutais là. Donc, mais tu étais là en qualité de photographe animalier. Oh, pardon. Et toi, tu étais là en tant que Picassienne, parce que tu ne te souviens plus du prénom des mariés. Non, mais je crois que je sais plus. Non. C'est même pas question de Picassienne, je crois que j'ai. C'est une blague. Je me suis retrouvé là. Je suis passé. Et après, on s'est reperdu de vue et on s'est retrouvé où? Dans un magasin de modélisme. Ah oui, c'est vrai. Un meneur. Voilà. Et puis depuis, il y a eu quelques roulages. Il y a eu, voilà. Il y a eu Tony RC qui est arrivé. Il y a eu, voilà. Et que l'aventure continue, je le souhaite, tout simplement. Avec plaisir. Le Covid, il nous a ralenti dans nos aventures touring piste et camion, tout ça. Voilà. Ouais, j'espère bientôt qu'on pourra. Ben, j'espère qu'on va faire la manche là, la manche de juillet, on va pouvoir se la faire là, l'os là. J'espère que je pourrai m'inscrire sur cette manche. A priori, je peux pas la faire. Au niveau de mon planning, je peux pas. Niveau ton timing, tu pourras pas? Non. Pas possible.
Bon, bah, donc, Sébastien, par le poleur, je vois que tu fais d'autres choses. En fait, j'avais tout arrêté il y a quelques années. En 2014, j'ai fait le crawler et bah, tu connais les RC, le virus il m'a rattrapé un petit peu. Et voilà, il y avait un petit groupe sympathique du côté de la Belgique, là, dont on est frontalier. Je voulais pas investir dans un DTM à 600 euros ou à 400 euros. J'ai acheté un petit avion TT-01E. Ouais, ouais. Ben, j'en fais ces petits camions. Ouais, ça marche bien, c'est pas cher, ça marche bien. Voilà, moi voilà. Bon, je vous laisse finir le. Un peu un grand merci. Je vous en prie. C'est sympa ce que tu dis vis-à-vis de Tony, c'est des jolies paroles. Merci Sébastien. C'est très gentil, c'est merci à toi. D'entendre des belles paroles, parce qu'il y a aussi des fois tellement de rageux sur ces réseaux, donc c'est bien d'entendre des. Ah non, 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 moi je. Si je dois rager sur quelqu'un, je préfère le rager en live, c'est mieux. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Et en tête à tête, c'est encore mieux. Exactement. Avec des gens, ça sert à rien. Et à la base, je suis pas rageux. Donc, Non, non, mais je parlais pas de toi. Mais je oui, oui, t'as compris aussi. Tu vois ce que je veux dire, ça sert à rien de rager. Ouais. Rager, c'est pour encore amener plus de rage. Exact. Donc ça sert à rien. Sur ce, okay. Merci le chat, merci à tout le monde. Et puis, je te souhaite de passer une bonne soirée. Merci beaucoup à toi. Merci Seb. Merci à vous. Salut les gars. Merci. Ciao, ciao, cette soirée était très intéressante au niveau de crawler. Merci à toi. Salut. Ouais, super information, merci. Je vous en prie les gars, salut, avec plaisir. Salut. Salut. Tony, tu vas pas manger? Si, mais je finis le blanc là et j'arrête. Bah c'est 20h51 là, t'as déjà 21 minutes de retard sur ton repas. T'es là? C'est accro. Oh, accro. Ouais, mais vous étiez ailleurs, là. Bah non, mais je suis venu, j'ai parlé deux fois, et personne m'a répondu. Pas de grésil. Salut, accro. Salut, Tony. Salut, Tony. Salut, Tony. Ah bon, Tony. Ouais, ouais. Ça, moi, quand je dis on croit pas, mais quand c'est Tony, on croit. Hein. Je grésille. Tu grésilles ouais. Je grésille encore, là. Ah, toujours. Ouais, t'as un drôle de son. Il grésille bien. Regardez. Allô. Oui. Oui, bonjour. C'est ouais. Oui, Rasseur. Oui, ah, bonjour. SAV Discord, bonjour. Je grésille plus. Non, il grésille plus. Re-salut, Steph. Oui, bonjour. Alors, Steph... SAV Suisse. Oui, bonjour, madame. On n'est plus aux soirées. On ne vous voit plus dans les soirées. Il y a Rémi qui fait du. De la voiture. Rémi. Et Rémi, c'est 21h le couvre-feu, il est 53. Ouais, ouais, faut pas rester là, madame, hein. faut partir là. Hein. Il va se payer 135 euros d'amende. Les cafés au Havre, ils referment. Les mecs, ils ferment, ils en ont marre. Ouais, exact. Qu'est-ce que je veux dire, Stéphane, qu'est-ce que tu ronchonnais avec mon chrono sur le goudron? Voilà, Stéphane ne me répond plus. Non, non, attends, parce que ma femme me parlait, c'est pour ça. Ah. Tu m'as dit quoi avec ton chrono? Eh, dis, tu ronchonnais, tu disais ton chrono sur le goudron, ta-ta-ta, qu'est-ce qu'il y a, mon chrono sur le goudron? Ah non, tu m'as répondu tout à l'heure. Ah, je t'ai répondu. Non, mais je disais, je faisais mes petits essais, toi, je venais finir à monter le combo, cerveau, machin, je ne vais pas aller trop loin avec, au cas où il y aurait un truc à régler. Mais la prochaine vidéo sera un peu plus intense. J'ai bien aimé, c'est la petite vidéo du tracteur. Elle est marrante aussi, il est marrant ce matin. Alors, faut que je fasse une petite vidéo, moi j'ai un petit quad, un vieux truc là que j'ai récupéré, que j'ai réparé et qui fonctionne. Pareil, un petit quad avec un petit motard qui hoche la tête là. Génial. Ouais, ouais. Ah, ce tracteur, il a de la mourir de rire. Et accro, t'as reçu ton Swarks? Mais j'ai pas dit que je prenais un Swarks. Ah, t'as pas dit que tu prenais un Swarks. D'accord.
Il l'a dit, il a pas dit fort, mais il l'a dit un peu, non? Merci, Rach, heureusement que là. Oui, 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 moi je voudrais pas créer des amis dans les couples, mais toi, il me semble. Hein. Merde, tu fous la merde. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est pourtant pas le genre de la maison, hein, je vous jure. Juste. Ça y est, David R, il va nouveau changer de jeté là. Ouais. Mais quoi, ton tracteur là, que t'as là? Moi? Ouais, non mais c'est excellent. Ah, t'as vu ma vidéo opérateur, tu dis ça? Non, non, c'est. Non, 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 c'est un. Ah, mon tracteur Tamia. Ouais. Ouais, putain, il est. Il est la gouache. Ouais, c'est un petit. Ouais, c'est un moteur. C'est un moteur Brochet là, c'est un 540. Moteur mais... Tamia d'origine. Quoi. Mais il a la patate. Il est marrant, ouais. En vrai. Le tracteur de course. Ouais, faudrait mettre les roulements, puis mettre un petit brushless, là, je peux te dire. Il nous reste un wheeling sur 50 mètres. Ah là 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 là. Ah, Tony, Tony veut finir la carreau avant de faire les soudures à Sébastien RC 59. Ouais. Bah, j'ai fini le blanc, mais la carreau elle est finie, mais va falloir que je mette du vernis, des vides teintés. Donc je vais aller manger d'abord, il est très tard là. Ouais, ouais, sinon tu vas plus rien avoir dans ton assiette. C'est un peu ça, je crois. Ou bien tu vas faire gronder. Remanier. Oui, heureux. Ou bien tu n'étais pas parti, j'ai pas fait attention, on parlait crawler, on est parti dans toute une histoire de crawler, peut-être on a perdu des gens. Si, j'étais parti, mais là je suis revenu, j'ai mangé. Ah, bah, c'était intéressant de parler du crawler, c'est bien ce crawler. Après c'est une discipline qu'on aime, qu'on n'aime pas. Mais... Bah, c'est bien de varier, hein. Ça fait du bien de parler d'autres choses. Exactement, ouais. C'est complémentaire, hein, du crawler. Quand il fait vachement chaud, les grosses bagnoles, tu les chauffes, c'est pas bon. Donc tu fais un peu de crawler, ça, c'est sympa. Ouais. Y a Silver Wheeler. J'ai quand même pris un Rock Racer qui peut rouler très vite. Un Rock Racer, mais t'as pris quoi comme marque hein? Ouais, parce que t'as les Racers aussi, t'as les Axial Yeti, je pense qu'ils existent toujours. Mais... Daniel R, Tony peut-être qui a un live plus tard, mais je peux. C'est voilà, vu sûr. Que j'ai fini tard, ça m'étonnerait. Voilà. Ah, il n'y aura pas. La course VS Line se fait pas demain? Si, la partie Nitro. D'accord. Aujourd'hui, c'était la partie brushless, mais il a plu, donc il n'y a pas eu de course. D'accord. Donc plutôt, pour l'instant, il y a très peu de chances qu'il y ait un autre live. Voilà. À part si... Ah non, il n'y a pas le foot. Non, il y avait le rugby. Pour ceux que ça intéresse, c'est Toulouse qui a gagné. Le soupe à la grimace. Bon, bah, mes messieurs, dames, je vous dis... la carreau, je la terminerai. Toi, il y a déjà pas Jal pour oublier, ça va manquer, prendre live ce soir. Voilà. Allez, je vais vous laisser. Bon appétit à tous. Bonne allez, soirée merci, à tous. Tony. Au revoir, merci d'avoir suivi le live. Allez, Tony, à tout à l'heure. Au revoir. Bon appétit. Ciao, Tony.